Pendant les jours Techno Fiesta, la Fiesta Fun avec Clim est au prix exceptionnel de 9 990 €. Applaudissements, ça veut dire que tout le monde est prêt. Il y avait Corinne Touzé ce soir à la télé. Donc Corinne Touzé ce soir dans l'émission. On me dit Djibril Cissé est prêt. Très bien, Lionel Richie est prêt. Super, Cécile est autour de la table. Ça sent la bonne émission, ça, hein. Go, oui, go. Qu'est-ce qu'on attend, là, pour démarrer? Hein? C'est mon émission. Oui, tout à fait, c'est mon émission. C'est mon émission. On n'a pas dit générique. Eh ben, générique. Pardon. Générique. Eh bien, vous savez quoi? Ça m'a fatigué de descendre ces escaliers. Oh, ça sent le sportif, cette histoire-là. J'étais en haut, je commençais à mettre comme ça sur le générique, et les trois escaliers, ils m'ont... Un, deux, non, quatre, quand même. Ouh! Ça sent le sportif. Oh, ça sent la fatigue. Bon, ça va, bien ici, vous êtes en... compter, parce qu'il y a cinq marches, hein. Ah. Pour un huissier, quand même. Je te remets là. Carton. Je la garde pour tout à l'heure. En fait, je l'ai sauté, c'est pour ça que je l'ai pas compté. Commence fort, hein. T'as noté? On en parlera je dans quelques rien, minutes. Je suis du côté des vous venez de la voir à l'instant, elle est autour de la table. Je vous ferai le bis de la main dans un instant. Je vous demande d'applaudir très fort. On ne touche pas la main. Mais bon, pas si, moi je touche. Ah, bon, d'accord. En théorie, on ne touche pas, mais je trouve ça débile de pas toucher. Ça fait bizarre de faire. Tout le travail pour faire... Ça n'arrête pas au dernier moment. Voilà. Tant qu'on y est. C'est de la gym, hein, comme lèche, comme lèche, lèche carrément pour autant que lèche. Tant qu'on y est, je vous demande d'applaudir Corinne Touzé qui est avec vous ce soir. Ils sont au théâtre. Au théâtre. Dis donc, je vois que ça pousse. T'as vu, les poissons chats, regarde. si tu regardes bien, j'ai passé un été pas dans un étang. Pareil du même côté. C'est vrai, avec un côté qui a plus poussé que l'autre, oui. J'ai l'impression. Ah oui, mais bon, déjà, c'est bien que ça pousse. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ça a été longtemps un vœu. C'est en net progrès depuis la dernière fois, ça pousse. Ce qui est bien, je vous demande d'applaudir. Commençons par madame. Ils sont au théâtre, je disais Macha Meryl et Laurent Dutch qui sont avec nous ce soir. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Faire son numéro, bien. Son numéro de polyglotte, là. Si. Si, eh, oh, quand même. Pas de mots trop compliqués. Si. Je suis contente que vous soyez là. Muchas gracias. Oui, si. Elle triomphe dans le chanteur de Mexique. Vous pouvez applaudir Rossi de Palma, qui est avec vous ce soir. Voilà, les amalgames. Quoi? Tu sais ce que t'as dit? Non. Le chanteur de Mexipulco. Tu as pensé très fort. J'ai dit quoi? Pulco, pulco, pulco. J'ai dit le chanteur de Mexipulco. Ah, tu as hésité. Mexico, Pulco, vous connaissez Mexipulco? C'est génial. C'est très très beau. C'est génial, c'est la synthèse. C'est ça. Que tu as fait. C'est ça. Ils ne connaîtront pas Mexipulco puisque. Si elles ont le temps maintenant. Non. Oui, mais elles n'auront pas l'argent. Ah, pardon. Elles ont quitté le château. Débouché, hein, il y a autre chose. Vous voulez pas courir? Parce que d'habitude, le chien, il court sur cette musique. Ah, c'est trop triste. Elles avaient à manger, un toit. Nikos, qu'elle pouvait voir, toucher. Avec ses blousons neufs de jeune. C'est fini. Fini tout ça.
Fini. Plus rien. Fini, plus rien. Elles sont là ce soir, elles ont quitté le château. Applaudissez Fafa et Loïcha qui sont avec nous. Djibril Cissé qui sera avec nous. Il y aura tout à l'heure quelqu'un qui a tué Belmondo. Tout le monde a vu le professionnel. Ouais. Quand... On a entendu la musique à l'instant. Quand il court vers l'hélicoptère, comme ça. D'ailleurs, il court pas, il marche. Il marche, il y a l'autre qui est derrière, il fait « Qu'est-ce que je fais, Farge ?»« Je le stoppe ou je le stoppe pas ?»« Stoppez-le !» Et l'autre, il fait « Restez pas dans la ligne de mire. » Alors qu'il aurait pu prendre la fille et faire « Ah, ah, ah !»« Tirez pas !» Non, il la pousse et il marche et il fait 2-3 mètres. Et l'autre fait « Stoppez-le !»« Je le stoppe, monsieur le ministre ? Stoppez-le !» Bon, enfin, il y aura le monsieur qui a fait, entre autres, ce film, mais qui en a fait des tas d'autres. Il y aura monsieur Georges Lautner qui sera là tout à l'heure. Et comme tous les jeudis, Cécile de Ménilus. Est-ce que tu imagines, Laurent, qu'il y a quelques années, on aurait fait Lionel Richie, Laurent Dutch, Lionel Richie. C'est bien fait, la vie, quand même. Hein. Oh, you have a beautiful watch. Ouais. Très belle. Thank you. Ah, thank you. Merci. Real diamonds. I hope so. Ah, oui. J'espère. I hope so. Oh, ça me fait plaisir. Is it a gift for us? The watch? Oh, no. A gift? No? No? It was a gift, yes. C'était un cadeau. Ça tombe bien, j'en avais pas. I have no one, I have no watch on my point. Well, yes. Well, I would love to take bon, you out for dinner. Vous emmener dîner avec moi. And we'll talk about the watch. Et on en parle de la montre. Ok, je prends la montre, vous emmenez dîner Cécile. Je t'adore, you take the watch. Yes. Vous prenez la montre? Non, ça par contre, non. No. Prends-moi, Lionel. Oh, comme ça pète la classe. Looks good on you. Ouais, va bien. Tout va bien, tout va bien. Good. Attends. Yeah. Va trop bien. Elle me va you, trop bien. In fact, you don't have to move at all. Just kind of stay like that. Non, faut pas bouger. Il faut rester tranquille. Don't even move. There you go. No move. Naturel. Alors, Lionel Richie, le nouvel album de Lionel Richie que vous pouvez applaudir s'appelle Coming Home. Ça, le titre et l'extrait dans un instant. Alors forcément, on ne peut pas recevoir un maître comme Lionel Richie sans écouter quelques anciennes chansons, obligatoirement. Avant de découvrir la nouvelle, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Ah, au hasard, great, great. Au hasard. Oh, c'était énorme, ça. Lionel, qu'est-ce que j'ai essayé de draguer sur cette chanson? J'ai essayé. Qu'est-ce que tu t'es pris comme râteau? J'ai jamais. Oh yeah. This, if you can't make it with one of those songs, non, give up completely. Bon, si on peut pas faire ça, si tu n'y arrives pas avec cette chanson-là, abandonne. À chaque fois que je veux draguer, c'est you, say me, et hop, j'essaie de danser. Lionel Richie, c'est aussi ça. Hey.
il y en a plein d'autres de Lionel Richie, celle où il dansait au plafond. On est dancing on the ceiling. Ouh, on a feeling. On est dancing on the ceiling. C'est quoi cette chanson? Ouh, on a feeling. On est dancing on the ceiling. C'est celle où t'étais au plafond. C'est celle où tu marchais au plafond. That was amazing. Ouais, elle était incroyable. That was amazing. C'était pas mal. Ouh, on a feeling. Yes. Pas mal. Does he sing at all? Est-ce qu'il chante normalement? Oh, on a feeling and the dancing on the ceiling. It's exactly the same thing. C'est pas la même chanson, non. Oh, what a feeling when we're dancing on the ceiling. Rien à voir. Oh, what a feeling. Y a rien à voir. When we're dancing on the ceiling. J'étais fan. Et, bien, Lionel Richie, c'est 100 millions d'albums vendus. 100 millions d'albums. Incroyable. Et le 8e album solo s'appelle Coming Home. Et le premier extrait est Call It Love. Regardez, c'est le nouveau Lionel Richie. Regardez. It's so clear. Just let us be happy. I don't wanna find nobody more. If you know what's really in your heart, then don't let them tear us apart. I should believe, I believe, no. Lionel, dans le clip, c'est Nicole que j'ai vue, c'est Nicole Richie dans le clip. That's Nicky, that's Nicole. Oui, c'est Nicky, c'est Nicole. Yes. Comment s'est passée l'histoire de se dire, tiens, c'est toi qui as eu l'idée de la mettre dans le clip de... We were trying to find, we en fait, on était à Hollywood, en Californie, et on essayait de trouver une actrice, quelqu'un qui jouerait ce rôle-là. Et en fait, le président de ma maison de disques a dit, mais pourquoi pas Nicole? Je pense que ce serait la meilleure personne, donc je l'ai appelée, elle a dit, oui, j'adorerais faire ça. Et bon, voilà, le reste, ça a été magique. Bon, quand même, je dois vous dire, pendant qu'on faisait le clip, il y avait deux pistes différentes et elle me disait à chaque fois, ah, moi j'ai une partie trop petite, il faut que j'ai un rôle plus grand. Je veux un rôle beaucoup plus grand. Et alors, il y aurait peut-être un jour un duo alors avec la fille, avec Nicole ou pas? Je ne pense pas qu'on va chanter en duo pendant un bon bout de temps. Non, je crois d'abord qu'elle doit grandir de son côté, doit faire quelque chose de son côté. Après, elle reviendra voir papa, mais beaucoup plus tard. Mais elle a envie de faire de la chanson ou pas? Parce que ça la titille un peu. Oui, elle veut jouer la comédie, elle veut chanter. Mais le plus important, je crois, elle a sa ligne de parfum. Maintenant, elle veut la lancer dans le monde entier. Bon, c'est une fan de la mode. Donc, elle est un peu pour le moment dans le parfum, plus que dans la chanson. Mais bon, je pense qu'elle y viendra, elle a très envie. En tout cas, dès qu'elle passage en France, il faut lui dire de venir, Annie. Ouais, il faut venir nous voir. Bon, je promets. En fait, je voulais l'emmener avec moi pendant ce voyage, mais bon, elle est en train de travailler. Elle sera là la prochaine fois, peut-être, quand je viendrai. Est-ce qu'elle a un boyfriend en ce moment? On a feeling. Yes, I think she might be single. I don't know. Non, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Because I'm free. Si elle n'a pas de petite amie, je... I think she would worry you to death. Bon, je crois qu'elle aura un peu peur de toi et elle va t'embêter. Elle te troublerait beaucoup. Non. Because you're gonna go. Let's sit home, let's be quiet. Tu vas lui dire non, on reste à la maison, tranquille. Elle dit non, on va à Miami, viens, on va à Chicago. Mais je pourrais t'appeler beau papa. Je pourrais t'appeler beau papa. Si oui. Quoi? Si j'étais avec Nicole. Father-in-law. Si j'étais... Father-in-law. Attends, et comme moi je vais épouser Lionel, je suis ta belle-mère. Tu vas au lit, tu te dépêches. Ah, c'est compliqué. Mais oh. Beau papa. C'est joli, beau papa. Alors, rapidement, avant qu'il y ait une petite surprise dans l'émission, la plus grosse folie, parce que quand les sous ont commencé à arriver, et à un moment donné, tout ça a commencé à payer, quand tu es devenu une star mondiale, il y a eu des folies un peu ou tu as toujours été raisonnable?
Tu t'es des fois t'as acheté plusieurs voitures en même temps, des montres avec des diamants. Non. I always had. Non. You know, we never had time. On n'avait jamais le temps. Si on peut s'acheter des petites babioles, des jouets, des gadgets, et qu'on a le temps et s'amuser avec. Mais bon, moi, je suis passé des Commodores à faire le disque avec Endless Love, l'album solo, et ensuite le suivant, All Night Long, Hello. Il a fallu ensuite faire une tournée. On est revenu pour les Jeux Olympiques. 2,6 milliards de personnes m'ont vu chanter. Donc j'ai pas eu vraiment le temps d'acheter tout ce genre de babioles et de gadgets. Mais par contre, je me suis bien amusé. Mais bon, ça a été très vite, très rapide. Eh bien, Lionel, qui a vendu 100 millions d'albums, je le rappelle, voici quelqu'un qui va arriver qui en a vendu 100 millions de moins que toi. C'est une star en France, dans sa ville, Ponto Combo. I would love to meet. Dans sa rue. Je crois que tu l'aimes, je crois que tu as son disque, je crois que tu es le seul d'ailleurs à avoir son disque. Je vous demande, mesdames, messieurs, d'applaudir celui qui est totalement fan de Lionel Richie. Regardez, voici son affiche. Frédéric Français, Ponto Combo Production, Val-de-Marne Tour 2006. Français, Frédéric Français. You know, tu connais Frédéric Français. I'm a big fan, I'm a big fan of his. Voici donc, nous avons trouvé le fan de Frédéric Français. Ouais, alléluia, c'est lui. Je ne sais pas si c'est réciproque, hein. Faudra lui demander. Yeah. Voici, ladies and gentlemen, Frédéric Français. Bonsoir, merci. Oh, là, merci, Lionel. Bonsoir. Frédéric. Ça va, Lionel, tu parlais. Mais comment ça va? Ça va, ma gueule? T'es en forme? Ça va, mon poteau? Oh là là. Ça va bien. C'est Richard Lionel. Lionel Richie. C'est Richard Lionel. Lionel Richie. Lionel Richie. Oh, j'adore. I love you. Alors, comment ça va? Oh, ça va bien. Oh, c'est lui. C'est Lionel Richie. C'est alors, Richard Lionel. Non, Lionel Richie. Ah, tu comprends, il comprend tout. I am so honored. Moi, c'est un honneur pour moi. Parce que j'étais au premier rang de tes deux concerts. Ah bah, tu fasses... C'est pas dur, il n'y a qu'un seul rang à mes concerts. C'est pas compliqué. Alors, Frédéric, qu'est-ce que je suis content de voir. Frédéric, jusque-là, était avec une star qui s'appelait. Yvette Horreur. Huge. Énorme, c'est incroyable. Mais Yvette Horreur a un problème, elle s'est fait refaire les chicots. Ouais. Bon courage à la traduction. Il y en a pour 6 mois. Voilà, donc il y a beaucoup de. Donc il est venu avec une autre. Exactement. J'ai ramené une petite. Je peux te dire un petit détail personnel, artistiquement parlant. Elle a un cul d'enfer. D'accord, on lui va pas traduire ça. Non, voici donc. Je vous présente, monsieur Richard, je vous présente. Varys Hilton. Varys Lionel. Regarde, regarde le tu. Oh, ça va. Alors. Vous avez une chance, il va falloir, c'est un hommage. Exactement, c'est-à-dire qu'un soir avec Lionel, bon je raconte un peu l'histoire, on était au bar, on avait bu 3-4 binous, on était un peu bourrin, on a écrit une chanson comme ça vite fait, ça s'appelait Toute la nuit. Et all c'est devenu long. All Night Long après. Tu veux dire que tu as écrit une chanson d'abord qui s'appelait Toute la nuit, qui ensuite... Il a fait un tube avec quoi. Il dit qu'il avait écrit d'abord Toute la nuit qui est devenu All Night Long. You remember? The Beers, singing together. Voici donc le tube original. I want to hear. Si le tube original de Frédéric Français, Toute la nuit, qui aurait donc été repris, ouais, que Lionel aurait donc volé, qui serait devenu All Night Long. Voici donc le titre original. Varys, regarde ma main. Varys. Voilà. Je suis obligé de la concentrer, c'est comme les chiens, sinon ça. Voilà. Sinon ça part. Alors attention, on y va. Alors elle va faire la percussion avec ses joues parce qu'on a oublié les tam-tams. Enfin bref, on y va. 3, 4. La nuit.
français featuring Lionel Hampton. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Ouais, t'as vu la classe ou pas? À bientôt. Bon, merci. À bientôt. Merci, vive la France, vive la République. Merci beaucoup. Merci. Il fallait que je les présente. I vaguely remember now. Bon, maintenant je m'en rappelle. Je crois que je m'en rappelle un peu maintenant. Oui, je crois me rappeler avoir été dans un bar, avoir chanté toute la nuit. Il se souvient, effectivement, il l'a volé à Frédéric Français. Donc t'étais encore sous, hein. Alors, tu es le parrain, je tutoie, mais tu es le parrain de la Starac de cette année. Ouais. Donc, deux jeunes filles SDF maintenant qui ont quitté le château. I love it, that's what I'm saying. Ouais. Je les adore. Ce qu'elles doivent traverser, c'est tellement difficile que je ne voudrais pas avoir à faire ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont à faire. Tous les soirs, elles doivent préparer une nouvelle chanson, elles doivent danser, chanter. C'est vraiment très, très dur. Mais je crois que pour le moment, tout le monde s'en sort bien. Mais bon, elles ont bien réussi. Et les filles, on en parlera tout à l'heure, mais ça vous a fait quoi de chanter avec Lionel Richie? Vous avez peut-être chanté à côté, vous avez... Qui a eu droit à son duo? C'était pas nous. C'est les meilleurs. Mais on a eu droit. On a eu droit. Quand même à une visite spéciale du parrain et on a chanté avec lui C'est You, C'est Me, ouais. Et c'était formidable. Et on était tous juste à côté, quoi, voilà, et c'était très, très ça, bien. C'est un des rêves de la Starac, par contre, c'est de pouvoir chanter avec des vrais stars. Vraiment, vraiment. Oh là là. Non, on en reparlera tout à l'heure. Et puis alors, il est Lionel est le parrain de la Star Academy, je crois qu'il y en a d'autres également qui sont pour le même métier, je crois qu'ils sont parrains. Vous m'entendez? Ouais. Voilà. Ouais, on vous entend, Coé. Hola. Bonjour Lionel. Bonsoir. Bonsoir Coé. C'est vrai, on a un point commun. Oula. C'est que parrain de la Starac ou parrain de la mafia, c'est strictement la même chose. Nous aussi, on prend des petits, on s'en occupe. Viens là, petit, viens. Aïe, aïe. Ah. Nous aussi, on prend des petits, on leur apprend à chanter. Ah. Là, regardez. C'est la clé de sol. La clé de sol, c'est efficace. C'est le sol, bon. Sol. Oui, c'est ça. C'est bien, c'est bien. On leur apprend aussi à danser. Allons. Si. Danse. 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 Bien. Danse. Danse. Ah oui, danse. Ah oui. Bien. Allez, oui, danse. Bien. Danse. Bien. Mais surtout après tout ça, il faut des petits cours de méditation. Ah, ça, c'est bien. C'est bien. C'est pour se calmer un petit peu. Cours de méditation, ce qui est important, c'est de commencer le travail par la nuque. Et puis après, hop, médite. Médite. Bloup, écoutez. Bloup, 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 bloup. Ouais, c'est bien. C'est bien. Ça fait les cordes vocales. C'est comme en Astarac. Et comme en Astarac, bien sûr, au château, il y a des histoires. Ah, des histoires de fesses. Ah non. Ah si, des histoires de fesses. Ah si, des histoires de fesses. Ah si, tu viens ici. Je veux des histoires de fesses. Si, il y a ça aussi. Merci beaucoup. Alors, it wasn't quite that hard. C'était pas si difficile. One second thought. Finalement, pour vous, les filles, c'était pas si dur quand on voit ça comparé à lui. Et Lionel, est-ce qu'il y a des rencontres marquantes dans votre vie? Dans ta vie, on se tutoie maintenant, j'ai pris ta montre. Est-ce qu'il y a des rencontres étonnantes, des choses que tu te souviendras toujours? Je pense, par exemple, Michael Jackson ou. Il y a des noms comme ça qui resteront toujours gravés. Well, you can start with Michael. Oui, on peut commencer avec Michael Jackson, oui, c'est sûr. Michael a toujours été, reste toujours un bon ami. Bon, il a eu tellement de changements dans sa vie. Et pour le moment, il n'est même pas aux États-Unis. Il est à Bahreïn. Mais bon, son talent musical est incroyable. Je suis désolé qu'on ne puisse plus l'entendre sur un disque. Moi, c'est ce que j'aimerais. Mais bon, il a un talent. Il est talentueux comme personne. Vous aviez écrit We Are the World ensemble. We are the world and We are the world. In fact, we did the words and music. And oui, on a écrit la musique avec Quincy Jones. On a écrit les paroles. Et c'est le parrain de Nicole, je crois. Oui, c'est le parrain de Nicole. He's also Nicole's godfather. Oui, exactly, c'est aussi le parrain Nicole, exactement. Et puis il y a le jour où il a rencontré Macha Meryl et Laurent Deutsch. Non. Oh my God. It was a huge day. Là aussi, c'était une sacrée journée. It was huge. C'était incroyable. I'm sorry, I should have started first. J'aurais dû commencer par eux d'ailleurs. Oui, le jour où je vous l'ai rencontré. I knew it. From the, voilà. From the very first second. Tant feu, c'est le nom de famille. Tant feu. Ah si, je t'en prie. Please, ma chatte en feu. Please, voilà. Do that. Oh, Madame Tenfeu, Monsieur Ritchie, Madame Tenfeu. It was obvious. Maintenant qu'on est ensemble officiellement, toi et moi,
qu'on va passer la soirée ensemble. Comme tu t'en vas. Attends, c'est pas dit ça. Bah, attends, t'emballe pas. Maintenant que j'ai gaulé ta montre. Éventuellement, vous pouviez me chanter à Macha et à moi. Je suis obligée de partager maintenant, ça m'emballe moins, mais bon. Une chanson genre C'est You, C'est Me ou Endless Love. Just You. Ok, all right. Endless Love is good. Ah, faut peut-être l'ambiance. Ok, c'est vrai. Faut peut-être un piano. Piano. We got it, piano. Ok, one second. Right. I am a magician. Yep. Alors, Cécile, que voulais-tu? Je voulais ou c'est you, c'est me ou endless love. Macha, je crois qu'on vous appelle là-bas. Non? Oh, you know what? No, that's it. Ta gueule. Chut. Say you, say me. Say it together. You gotta help me now, guys. That's the way it should be. Say you, say me, say it together, naturally. Oh la 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 la, énorme, énorme, énorme. Can I try? Please, please, I want you to. Yes. Alors, I try for you, hein. C'est you play for me, please. First time in France, I try. First time in France. Alors, première fois en France. Les filles, c'est pour vous cette chanson. Hello. J'ai fait ce que j'ai pu. Le 15 mai à Paris, Bercy, le 2 mai au Dôme de Marseille, le 30 avril à Lyon, à l'Arc Tony Garnier à 20h. Le premier titre extrait de l'album, I Call It Love. Et si vous êtes fan de Lionel Richie, vous devez absolument voir chez vous le nouvel album de Lionel Richie. Il était avec nous ce soir. Triomphe. Au revoir! Goodbye, Lionel! Goodbye, thank you very much, Lionel Richie, au revoir! Thank you, oh, c'est énorme! J'ai gardé la montre! Attention, on fait tout disparaître! Lumière! Bon, en attendant, il y a cette photo que tout le monde a vue, la photo de la rencontre entre George Bush et Nicolas Sarkozy. Il paraît qu'il s'est mis sur la pointe des pieds, Sarko, pour vous. Alors, toujours, justement, la vraie question est là. Regardez bien cette photo, ils sont à égalité, ils sont de la même hauteur. Bon, sauf que dans les chiffres, Nicolas Sarkozy mesure 1m65, pardon, monsieur le ministre, et George Bush 1m83. Et pourtant, la magie de Hollywood, quand on voit la photo... Qu'est-ce que vous voulez qu'il le tire en bas, là, pour qu'il soit... Il lui plie la main. Exactement. Il va falloir descendre, monsieur Bush. Il va... Non, mais elle n'est pas énorme, cette photo. C'est incroyable. Il y a quasiment 20 cm d'écart entre les deux. Si tu regardes bien, je crois qu'il est debout sur le canapé.
Alors, voici donc les vraies images de la méthode Coé, puisque le gars que vous voyez, dont on voit la tête qui dépasse là-bas sur le bord, c'est un caméraman très discret de notre émission. Pour voir toutes les images, regardez ce qui s'est véritablement passé ce jour-là, document exceptionnel. Ah, you are Mr. Bush. I am very flattered to rencontre you. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on fait exactement la même taille. Comme ça, on pourra play to the basket when you want. Théâtre. Le théâtre, il faut y aller. Dans une pièce d'Oscar Wilde, le théâtre Antoine, depuis le 8 septembre. Est-ce que je me suis trompé jusque-là? Tout va bien. Je vous en prie. Venez à deux dans le fauteuil, petit chaperon rouge. Macha Meryl et Laurent Deutsch. Bonsoir. Bien. Alors, allez. Nous, on t'embrasse. Voilà. Nous, t'en prie, Macha. Monsieur Cohen. Bonjour. Ça va bien. Ah, je vais mettre ce petit accoudoir, regarde. Si on tombait sur les accoudoirs. Ah non, ça va tomber sinon. Non, mais mettez-vous au mieux. Mettez-vous au mieux. Va bien, vous avez décidé de m'emmerder ce soir. Il n'y en a pas un qui veut s'asseoir comme... Voilà, très bien. Ah, très bien. Donc, Macha, ça va aller. Nickel. Le petit capteur. Alors, donc, je disais depuis le 8 septembre au théâtre, l'importance d'être constant d'Oscar Wilde. Du don. Mais non. Et comment? Ouais. J'aime bien drôlie, ce petit toucher vicieux de la moustache qu'il a. Ah oui, ouais, absolument, oui. C'est l'habitude, justement, de commencer mon côté dandy un peu. Ouais, je vois bien ça. Au 19e siècle, on appelait ça les charmeuses. C'est vrai? Ouais, les petites moustaches comme ça, ouais. On appelait ça les charmeuses. Les charmeuses. Cécile, avant qu'on parle de la pièce et qu'on en apprenne quelques petites choses sur Macha et sur Laurent, qu'est-ce que l'on a? En fait, Macha aide Laurent à la bienséance, c'est-à-dire qu'elle lui donne un peu de cours de maintien. Que bon, voilà, c'est... Alors, il joue un jeune lord anglais. Comme vous voyez, il n'en a pas tellement l'allure. Regardez-moi ça. C'est vrai. Premièrement, un gentleman ne s'assied jamais comme ça sur le rebord du fauteuil. Non. Et dans la... En même temps, d'habitude, la bienséance commanderait que quand on est deux, on a deux fauteuils. Voilà. Alors, je vais lui donner un petit peu des cours de bonne manière. Tu m'emmerdes avec c'est une proposition. Ta bienséance. Hein. Ça, c'est blanc dans les dents. Il n'y a pas de place. Alors, il y avait une scène où il fallait qu'il mette les pieds sur le canapé. Alors c'était, je vous dis pas, c'était lamentable. Ils mettaient les pieds tous les deux en même temps, comme ça, comme... Alors je lui dis non, un gentleman s'assoit et fait délicatement comme un... Je suis en face de vous quand même, je vous rappelle, vous êtes en jupe. Ça t'intéresse encore? Absolument. Ah ben j'ai encore un âge. Pourtant je suis encore... tu aurais défilé ici sur ce oui, fauteuil. Mais, tu sais, je ne sais pas si ça fait exprès, mais tu as tourné la tête au mauvais moment. Mais non, mais je t'inquiète pas. Il est très pudique au fond. Moi je le soupçonne d'être un homme très très délicat. Absolument. Si on voit le ralenti, je fais comme ça. Je fais... Macha. Montez avec lui dans sa loge, vous allez voir s'il est pudique. Elle est allée alors? Ah non, non, oh là là. Moi, c'est parce qu'il veut pas, hein, mais... Bon, et donc, vous disiez sur les jambes, il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas, mais il a appris parce qu'il est extrêmement doué. Et qu'il a appris, mais je sens que... Et dans tous il... les domaines. C'est une espèce de seconde nature qui est en train de se révéler à lui, avec un certain plaisir, il jubile en faisant ouais, mais tout ça maintenant. J'ai voulu quand même être vigilant, parce que jouer un dandy mondain un peu empoudré, poussiéreux de la fin du 19e siècle, ça serait quelque chose, je pense, d'un peu anachronique avec, avec notre époque. Oh là là, tu dis trop de mots pour nous, là. Non, mais il fallait conserver une modernité, une spontanéité, parce que... Wilde était terriblement moderne, c'est vraiment déjà, c'est un auteur britannique, mais qui est le plus francophone et francophile des auteurs anglais, et c'était quelqu'un qui prônait la modernité. Justement, tout son combat, tout le procès qu'il a eu avec la société anglaise, c'était un petit peu de demander aux gens de dégrafer le corset. Et la continuité de Wilde aujourd'hui, c'est vraiment de justement montrer que cette pièce peut s'adapter à nos époques modernes avec une espèce de... On va en parler dans quelques minutes. Surtout par le biais du rire, parce qu'on se poile du début jusqu'à la fin. Nous en parlons dans un instant de l'importance d'être constant. Mais comment je t'appelle, Macha? Parce qu'il y a plein de surnoms. Comme tu veux, princesse, si tu veux. Ah bon, Moumousse, pourquoi pas Moumousse? Oh, c'est un mignon, surnom, ça. Moumousse. C'est comme ça qu'on m'a appelé. C'est un bon deuxième diminutif, parce que Macha, c'est déjà un diminutif. Et Moumousse, c'est... Il y a eu Moussique aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Je sais, je travaille tout. Ça, c'est dingue, alors. Enseignement général. Moussique, Machinka. Ya. Machka. Marussia. Pourquoi princesse? Mais je suis princesse du cœur, du con. Princesse du cœur, c'était plus joli. Je suis princesse, moi, du con. Princesse de c'est quoi? C'est pas ça? Mais c'est de... Non, enfin si. Tu non. veux savoir mon nom? Oui. Je m'appelle Maria Magdalena Vladimirovna Gagarina. À vos souhaits.
Il y avait pas Kniezhna Gagarina, je suis princesse Gagarine, alors s'il te plaît. Hein, princesse Gagarine. Comporte-toi un peu convenablement. Comme celui qui a fait le tour de la Terre et qui est tombé dans son pays. C'est de la même famille? Pas du tout, lui n'était pas prince, mais enfin bon. Oh, pardon. Alors que Laurent Deutsch s'appelle Laurent Deutsch. Deutsch. Ouais. Voilà. Deutsch. Ça suffit largement, je t'assure. Bon, vous avez fait tous les deux des études à la Sorbonne? Oui. Tiens. Pas à la même époque. Hein. Je savais qu'on avait des liens. Je suis sa tante dans la pièce et je suis aussi. C'est très ambigu la relation qu'ils ont. Je pense qu'il y a un petit côté intergénérationnel. Ouais. En tout cas, dans la vraie vie, Laurent c'était en philo. Ouais. Macha c'était en lettres. Et alors, comment vous êtes basculé? Comment on a basculé comédienne, Macha? Besoin d'argent, besoin de travailler vite, c'est tout. Famille pauvre. D'accord. Laurent. C'est un peu pareil, quoi. Il fallait remplir le frigo. Mais toi, tu voulais être footballeur, toi, à la base. Ouais, mais tu verras Djibril Cissé tout à l'heure. On fera un comparatif. Je me suis arrêté très tôt. Hein. Mais moi, je t'ai mais vu. Il est pas mauvais, il paraît. Mais dans 3-0, hein, tu es carrure. Ouais, mais dans 3-0, c'est un film. C'est-à-dire qu'on refait beaucoup la scène. Alors que PSG contre Nancy, pendant une heure, ils ont pas réussi à mettre un but. Quoi. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Oui, c'est vrai que c'est très bon en dribble, quand même. C'est un problème. En dribble hein. Et en jambe. Ouais, techniquement, ça. Ouais. Bon, en tout cas. Physiquement que c'est plus dur, parce qu'il faut avoir l'explosion pour partir. Moi, je dribble tout le temps, mais sur le même endroit, quoi, tu vois. Ça y est, parti. Je reste dans 2 mètres et j'avance pas. Et il parle très vite, je vous préviens. C'est-à-dire qu'il parle extrêmement vite. C'est-à-dire que des fois, il y a une cadence qui s'accélère. Dis donc, tu as vu, j'ai une auréole autour de la tête. Regarde, c'est pas mal. Ouais. C'est mieux que sous les bras. C'est joli, martienne. Hein. C'est mieux que sous les bras. Et ah oui, c'est vrai. Super, ouais. Regardez-moi ça. Macha Meryl est avec nous ce soir. Macha. C'est vrai que ça fait étrange. Bravo. C'est vrai. C'est vrai. Plutôt chanteur de Mexico, quoi. C'est vrai. On dirait Pépito. C'est ça ou un sombrero à la Pépito. C'est vrai aussi. Bah alors, vous aimez bien jouer les personnages historiques. Macha, tu as incarné Colette, George Sand, c'est ça. Et toi, Laurent, c'était Mozart, la pièce de théâtre avec Jean-Pierre. Oui. Ça s'est bien passé, ça? Ah ouais, c'était. Mais il a fait son grand succès. C'est génial déjà de faire une pièce avec Jean-Pierre et puis Mozart, Amadeus. Quand vous avez des gens qui viennent nous voir à la sortie du théâtre et qui vous disent j'écouterai maintenant Mozart en pensant à vous, c'est plutôt sympa. C'est honorifique, quoi. Ouais, plutôt sympa. Et alors côté caractère, il paraît que. Choupinou. Il était mignon. Il était mignon avec sa permanente, hein. C'est le côté cheveux bleus. Ouais. Moi, quand j'ai mes bigoudis, je joue de la musique. C'était sympa. Bon, sinon, il paraît dans vos caractères tous les deux que toi, Laurent, tu es plutôt hypochondriaque. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Ah. Ça va mieux. Ouais. Et moi, je suis incroyable. Et toi, maniaque, il paraît. Maniaque? Oui. Non, je suis précise, je suis élégante, comme tu peux voir. Oui, je vois bien, je vois bien. Alors justement, nous allons essayer de faire très rapidement un jeu. Ah. Le principe, c'est si Laurent n'était pas Laurent et si Macha n'était pas Macha. Et j'ai pas d'accessoires. T'as besoin d'accessoires, toi? Oui. Écoutez, Macha, arrêtons, on ne parle pas... Non, alors, puisque vous voulez, on en parle franchement, pas du tout. Non. Vous êtes bien équipé naturellement? Absolument. D'accord. N'importe quoi. Oh ben moi j'ai... Ça se voit, j'ai... Enfin, bien équipé, n'exagérons pas. Je suis bien équipé là-dedans. Oh, t'es issu d'une famille de boulangers, quoi. S'il était bien équipé, il serait pas animateur de télé, il serait... Une bonne demi-baguette. Mais pas du tout, monsieur. Pas du tout. Deux demi-baguettes, non. On l'appelle trois jambes. Non. J'aimerais bien. Non. Non, non, je suis normal. Non, Non, Picard, on l'appelle deux jambes et un moignon. Mais... C'est bien fait. Tu l'as pas volé. Tu l'as maltraité tout à l'heure. C'est bien fait. C'est toi qu'on surnomme la salière. La salière. Pourquoi dans cette émission, à chaque fois, on ne peut pas s'empêcher, alors que je n'en parle pas, de parler de la taille de mon zizi? Pourquoi? Aussi, je pose cette question. Pourquoi? C'est un fantasme. C'est un fantasme. Je pense que tout le monde pense que c'est un fantasme. Alors que vous allez être extrêmement déçus, il n'y a rien à dire. Bon, d'accord. Rien à voir ou rien à dire? Non, c'est fini. Bon, alors. C'est fini. Alors, Laurent, si Laurent n'était pas Laurent, mais si Laurent était un homme politique? Très bien. Lequel? Arrête, Laurent, tu m'excites. Monsieur Deutsch, bonsoir. Attention, l'homme politique sérieux. Monsieur Deutsch, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Deutsch, quel serait... Poulet, je tiens d'abord à vous dire que je regarde souvent votre émission. Merci. Et je trouve qu'elle est le reflet assez objectif et véridique de notre société actuelle. Merci. Et ça fait du bien. Écoutez, alors, monsieur Deutsch, merci pour ces compliments. Votre tendance politique, monsieur le candidat? Écoutez, ma tendance, elle serait aujourd'hui à essayer de rattacher les Français avec la base. Donc une tendance politique, un mouvement citoyen du 21e siècle, et je crois qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Absolument. Quelle loi vous a rendu célèbre, monsieur Deutsch? De rendre le vote blanc légitime.
Ah oui. Et de montrer un petit peu que justement dans la contestation, c'est pas forcément le choix entre un ou un autre candidat qu'on nous impose, mais le fait de montrer que nous, on aurait peut-être des choses à proposer. Absolument, très bien, écoutez. Ce qui m'a d'ailleurs valu de me faire dégager. Alors, monsieur le candidat, est-ce que c'est possible d'avoir des amis en politique? C'est impossible, car sur cette pyramide d'accession au pouvoir, plus vous arrivez au sommet, c'est un petit peu comme dans les Alpes, plus ça devient glissant, et plus on a envie d'être seul. Très belle image. Enfin, vous avez déjà touché des pots de vin en échange d'un contrat? Ah, alors là, écoutez, je sais pas où est la caméra de Pat Le Guen, mais je tiens à dire que je n'ai jamais touché aucun pot de vin. Je refuse les pots de vin. Les pots de banane. Les chèques restaurant, les tickets de restaurant, les chèques, je n'accepte que le liquide. D'accord, très bien. Euros. Monsieur le candidat, merci. Merci, très bien. Et si Macha, maintenant, n'était pas Macha, mais était un homme? Macha, bonsoir. Oui. Alors, Macha, c'est quoi ton style de femme? Les femmes un peu mûres, habillées en rouge, plutôt actrices. D'accord. Oli, c'est quoi votre truc pour faire jouir les femmes à coup sûr? C'est les faire rigoler. Pas mal, pas mal. Est-ce que vous avez déjà essayé avec deux femmes en même temps, Macha? Oui. Une femme idéale et celle dont je me contente. Très bien. D'après vous, quel est le plus gros défaut des hommes? C'en est un. Hein. C'est d'avoir peur des femmes. Très bien. Enfin, quel est le plus gros défaut des femmes? C'est d'essayer de posséder les hommes. Ça, c'est beau en plus. Oh, bravo, Macha. Je vais me donner le... C'est beau, là. Attention. Et si... Toi, ça te va pas mal, hein, franchement. Il y en a qui ont essayé. C'est ça, ils ont eu des problèmes. Il arrive, mais ils repartent tout de suite. J'aime bien, ça fait une tête bizarre. On dirait Robert Rue aussi, hein. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Emmanuel Chin. Bonsoir. Bonsoir. Et si Laurent Deutsch n'était pas Laurent Deutsch, mais si Laurent Deutsch était le leader d'un groupe? Le leader du groupe qui cartonne à Herblay. Ah, je suis gaucher, c'est... Au caravaning d'Herblay. Ah, Anouche. Tu es le leader du groupe El Gypsy. Oh, alors... Ouais, bravo. Alors... Laurent, en tant, de, oui, en tant que leader... De... Comment ça, mon copain? Ça va bien? En pélo. En tant que... Eh, mets ton pélo, la tête dans les tombes, mon copain. À votre presse. Et où la caméra? Eh, je vends des pneus. Viens que j'ai des pneus. J'ai un 5,25 TDI, toute autre chose, en pneus. Ah. Alors, ça, alors, où vivez-vous, Laurent? Ouah, ça dépend du soleil. Laurent... Moi, je suis sur l'autoroute A15. Je suis en train de dégommer les radars automatiques. Laurent... Mais il n'y a pas d'oseille dedans. Laurent, quels sont les avantages de vivre en caravane? L'avantage en caravane, c'est que c'est évolutif. Ah. Tu peux rajouter des morceaux en fonction de ta famille, en fonction des gamins qui arrivent. Laurent, en tant que leader du groupe El Gypsy, pourquoi avez-vous fait... Pourquoi avez-vous fait une chanson sur les boules de caravane? Ah, ça c'est en boîte de nuit. Ah. Ah, quand tu veux soulever une gavali, quand tu veux bouillave la raclie, tu fais un boule à boule avec une wagon. C'est-à-dire que nous, pour attacher la caravane, on met à la wagon, on met une boule. Alors on les attache avec une corde, on tire, et le premier Kassagova qui déchire, eh ben voilà, il a perdu et l'autre tire par avec la gavali. Et c'est vrai. Hein? Et c'est vrai. Eh ben je confirme. La boule à boule, ça s'appelle. La boule à boule. Ah, c'est Zidane qui m'a donné l'idée. Comment pourrait-on résumer votre... Il est parti sur un coup de tête. Comment pourrait-on résumer votre façon de vivre, Laurent? On a encore tout à faire. On a encore tout à faire. Les aménagements qui sont faits pour les gens du voyage sont pas reconnus assez. Et il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça. Enfin, pour conclure, est-ce que vous avez un message à faire passer à tous les gypsies qui nous regardent? Je suis en train de perdre mes algues. Ben, les pralos, michto à tout le monde. Franchement, j'ai organisé autour de la patois d'Herblay, à côté de Gonesse, avec mes amis. Il y aura tout ce qu'il faut. Il y aura du mol, il y aura de la panie, il y aura de la kerkné. On va bien rigoler. Ça va se terminer par des boules à boules. On va bien se marrer. Puis on va mettre de la musique surtout. J'espère qu'il y aura tout le monde. Bravo. Bravo. Désolé d'être gaucher. Je garde pour tout à l'heure. Au théâtre, on voit l'affiche, l'importance d'être constant d'Oscar Wilde avec Frédéric Diefenthal, Gwendoline Amon, ne me trompe pas. Qui en parle de la pièce en quelques mots? C'est deux garçons qui s'emmerdent tellement dans la vie oisive de la société victorienne qu'ils s'inventent des doubles. Chacun invente un deuxième personnage pour pouvoir vivre deux vies en une. Et ils se prennent les pieds là-dedans d'une façon admirable, donc c'est un peu comme un vaudeville, et en même temps c'est un vrai film, une pièce sur l'identité. Qui sommes-nous
et entre l'être et le paraître. Et je vous assure qu'on se marre, mais en même temps, c'est plein de fond. Et c'est une chose qui pourrait très bien s'appliquer à la société d'aujourd'hui, où on fait tellement d'efforts pour paraître quelque chose qu'on n'est pas, et que la vérité vous rattrape toujours. Eh bien, voilà. Regardez, Théâtre Antoine depuis le 8 septembre. Regardez extrait. Depuis le premier instant où j'ai découvert votre incomparable beauté, non seulement je suis devenu votre esclave et votre domestique le plus soumis, mais encore, osant l'impossible, j'ai eu immédiatement l'audace de vous aimer comme un sauvage, avec passion. Vos parents qui vous idolâtraient, vous avez en effet baptisé. Et quel prénom m'avait-il donné? Allez, je me résigne au pire. Quand vous étiez l'aîné, vous avez évidemment reçu le prénom de votre père. Mais quel est-elle, le prénom de mon père? Constant. Mon Constant. Je savais depuis toujours que vous ne pouviez pas avoir d'autre prénom. Au théâtre, Antoine, depuis le 8 septembre. Mise en scène de Pierre Lamy. La pièce est plus longue. La pièce est plus longue. Pardon, tu veux bien le dire. C'était un extrait, vous n'avez pas vu l'intégralité de la pièce. Il y a plus d'intrigue, il y a encore plus d'intrigue que ça. L'importance d'être constant. Alors, je voulais revenir d'un petit truc sur Macha. Il y avait un livre qui était sorti il y a quelque temps qui s'appelait Biographie d'un sexe ordinaire. Mm-hmm. Bon, ce film est toujours... Très instructif. On y parlait de quoi? De mon sexe. Ah. Ah, bien sûr. Sur oui, c'est très, très intéressant parce que les femmes ne disent pas toujours la vérité. Moi, je m'y suis attelée. C'est vrai. Je pense que j'ai fait du bien, encore du bien à l'humanité, en expliquant qu'est-ce qu'une femme de ma génération a vécu. La nouvelle Simone de Beauvoir. Mais tu ne crois pas si bien dire. Nous avons vraiment changé le monde. Le monde, la condition féminine a plus changé en 30 ans qu'en 20 siècles. Et nous en avons été les actrices, nous, les femmes de la nouvelle vague, les femmes de 68. Et je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations sont un peu... Il était nécessaire qu'elle sache qu'est-ce qui s'est passé. Ah. Comment nous avons vécu ça, nous, et comment nous avons été des pionnières, un peu en tout, non seulement être les premières femmes à faire des métiers d'hommes, tous les métiers d'hommes, mais aussi de vivre la sexualité d'une façon différente. Moi, je pense qu'il y a un mot qui va disparaître de la langue française, c'est le mot adultère. Parce que maintenant, les femmes parlent. Et quand elles ont un amant, elles le disent. Et elles le disent même à leur mari. Tu parles à un huissier, là. Ouais. Non. Et je pense que tout a explosé. Non, je suis pas sûr que les femmes rentrent en disant « Tiens, j'ai eu un amant cet après-midi au boulot. » Mais si, parce que ça pimente la relation avec leur mari. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit un peu plus que... Et les hommes vont s'y mettre aussi, parce que nous sommes toujours un peu en avance, hein, les femmes, il faut bien dire. Et maintenant, nous allons vous entraîner vers cette nouvelle liberté. C'est-à-dire qu'on devra dire quand on a... Mais raconter la vérité et dire ce qu'on vit. Et établir les relations sur des choses vraies et pas sur des faux-semblants, des mensonges, etc. Si tu dis vraiment ce que tu as vécu, écoute, j'ai rencontré une femme avec laquelle il se passe quelque chose et je veux t'en parler, ça devient intéressant. Mais ça va pas, c'est pas intéressant, mais c'est... Mais c'est des couples qui explosent à la maison, mais vous vous rendez pas compte. Mais les couples explosent... Très bien, on va faire un truc. Que tous les gens qui sont devant la télé en ce moment... Disent la vérité à celui qui est à 5 minutes. Tous les gens qui ont un voisin, essayez des trucs, faites des comparaisons. Essaye ici. Qui trompe sa femme ou son mari? Oui, que les gens ici le disent, qui trompe sa femme? Mais pas pour tromper. Le mot tromper n'existe pas. Qui couche avec quelqu'un d'autre? Qui a une autre relation parallèle? Ah, on n'est pas fort du collier. Alors. Mais Macha, vous dites que rester toute sa vie avec la même personne, c'est presque malhonnête. C'est ridicule, ça n'existe plus d'ailleurs. On a tout mesuré. L'amour, ça dure 3 ans. Un couple, ça dure 7 ans. Si après, on décide de rester ensemble, c'est pour d'autres raisons qui peuvent être admirables. Bonne soirée à la maison. Voilà. Donc, tout ça, c'est en train d'évoluer d'une façon considérable. Moi, je suis très optimiste, je trouve ça palpitant. Et vous, vous avez 10 fois mieux qu'avant, où tout le monde cachait vie double, vie triple, etc. Et dans le mensonge. Parce que maintenant, c'est fini le mensonge. Mais vous dites que vous avez vécu 19 histoires d'amour, réelles histoires d'amour. Absolument. Et c'est peu. Pour Les un parcours de quelqu'un qui évolue, oui, c'est peu. Je parle c'est pas normal. Des coquettes, hein, je parle de vraies histoires d'amour. Mais bien sûr. Il y a ton camion qui est garé devant qui gêne. Des coups de coquettes, ça va pas, non? Tu veux que je dise quoi? Bon, toi, Laurent, il paraît qu'à un moment donné, quand t'étais un petit peu plus jeune, le matin, après une bonne nuit d'amour, tu jouais un air d'accordéon de Zigane au bout du lit. Tu le fais toujours ou pas? Non, je le fais plus. Je le fais plus. Ça m'a pas attiré que des bonnes choses. Non. C'est vrai que tout nul en accordéon. Je fais les préliminaires après coup, moi. C'est pas mal. On peut parfaitement parler après aussi. Mais tout nu en accordéon sur le bout du lit, on fait Yavieci Adochi. Le problème avec l'accordéon, c'est que ça joue près du corps. Oui, c'est dangereux. Ça. C'est très dangereux. C'est très dangereux. On peut se pincer le soir. Pincer le ou le poil qui reste. Ça va mieux les petites amies, Laurent? Très bien. Ah. Oui. Merci. Je te remercie d'ailleurs. Oui, je. Ça m'a vraiment fait du bien. Vous êtes très porté radada alors. Qu'est-ce que c'est radada? Bah c'est le radada.
C'est du cheval, c'est non, du... c'est le... Non, c'est la bagatelle. Corinne, comment dire? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pas la bagatelle. J'aime l'amour et j'aime les hommes. Faire l'amour, oui. C'est quelque chose qui veut dire... Mais moi, je fais toujours l'amour. Je n'ai pas d'acte sexuel bestial. Je ne parle pas de faire l'amour. Elle ne parle pas de faire l'amour. Non, je parle d'aventure. Ouais, je n'ai pas d'aventure, moi, je n'ai pas le temps. Bon, alors justement, voici... S'il se donnait à quelqu'un, il se donnerait entièrement. Et là, il se donne à la France entière, donc tu n'as pas le temps. Merci, c'est sympa. Merci. Oh là là, merci. Là là. C'est par honnêteté. Bravo. Laurent, t'es avec la femme de ta vie? Oui, toujours. Bon, depuis combien de temps? Ah, ça fait 3 ans, d'ailleurs. Oh, elle t'a dit que 3 ans, c'est ouais, mort. Je commence à m'inquiéter. Là, voilà. Macha, vous êtes toujours avec l'homme de votre vie? Enfin, le dernier. Voilà. Le 19e, vous êtes avec le 19e. Est-ce que je peux me permettre d'aller un tout petit peu plus loin? Il paraît que vous aimez les garçons jeunes. C'est pas que je les aime, c'est que je les attire. C'est autre chose, c'est eux qui me choisissent. Regarde. Je n'ai jamais dragué un type jeune. C'est toujours eux qui sont venus à moi. Et il y a des raisons à ça. Si vous voulez, je peux faire un petit cours magistral. Allez, vous êtes habillé en chaperon rouge. Il croit que c'est le comte. Non, c'est pas ça. C'est que je crois rien en dessous. Je crois que le panel, l'éventail des recherches est beaucoup plus grand maintenant. On peut piocher dans toutes sortes de domaines. Et la différence d'âge n'est qu'une des différences qui n'est pas si intéressante. Et les hommes, maintenant, n'ont pas de préjugés de ce côté-là. Surtout quand on est en forme comme moi. Ah, oui, je vois bien. Les jeunes plantes plient à tous les vents. Eh oui, je vois. Très joli. Avant de conclure, avant d'aller les voir au théâtre, voici le Tu Prefer. Le Tu Prefer, c'est un jeu américain qui permet de savoir ce que vous préférez. OK? Tu préfères. Laurent, yeah. En rentrant chez toi le soir, est-ce que tu préfères manger à table ou tu préfères... Ah, ça c'est, je connais, ça c'est une gazinière 4 feux, ça. Ça c'est comme ça, hein? C'est une gazinière 4 feux. C'est une gazinière 4 feux. J'ai la même dans la ravane. Et tu préfères quoi? J'ai la même. Tu préfères le four? Non, je la cuisine, moi, non. À la cuisine. Très bien, Laurent, je note. Macha, au lit. Ah bah, les questions vont porter là-dessus, hein. Tu préfères les hommes genre... Ou les hommes genre... Bien sûr que c'est celui-là, le jazz. C'est vrai? Ou l'instrument? Le jazz et... Pourtant, c'est sympa, le... Non. Non, d'accord. Mais on peut faire un mix des deux. Moi, j'ai... On peut commencer par le deuxième et finir par le premier. Ah oui. Oui, bien sûr. Pourquoi cette ségrégation? Oui, il commence comme ça, Oui, je veux tout le monde. Les cow-boys... Bien, les cow-boys du Texas ont besoin de niquer un peu. On regarde un peu le chef des Amerlocs, là. Il a besoin de s'en dégourdir un peu. Je vois bien. Laurent, après l'amour, est-ce que tu préfères... Ou est-ce que tu préfères... Les deux sont... Dans les deux cas, c'est horrible. L'accordéon. Ah non, il n'y avait pas. Faut choisir. La première, parce que ma femme m'épuise tellement. Le dodo, très bien, elle va adorer. Macha, ça le fait rire déjà. Qu'est-ce que tu préfères? Un petit jeune, genre 34 ans, la pêche, animateur télé, tout, qui... mais qui a pas de... Ou un petit vieux, mais qui a plein de... Ça te tombe sous le sang, c'est le premier, évidemment. Ah, c'est-à-dire celui qui... Je les collectionne, d'ailleurs, si tu veux savoir. Hein? Je les collectionne, les numéros 1, là. Ah bon? Laurent, si tu devais te réincarner en insecte volant, tu préférerais te réincarner en... Ou alors en... On pourrait demander à Michel. Ça dépend ce qu'il a mangé. Les deux n'ont rien à voir, hein. Je dis ça pour ceux qui ont bien entendu, parce que le premier qui fait... Il pique les gens, alors que l'autre qui fait... Il vit plus longtemps que l'autre qui fait... Oh, j'aurais envie que les gens se souviennent de moi, même si c'est d'une manière plus courte. Donc le... Ouais. Ça m'étonne pas de lui, Ça m'étonne pas de lui. Je rappelle qu'ils sont dans l'importance d'être constants avec entre autres Frédéric Diffenthal au Théâtre Antoine depuis le 8 septembre. Macha Meryl et Laurent Deutsch sont avec vous. Asseyez-vous. Et attention la marche. Attention la marche. Ah. Allez, restez avec nous pour la suite de l'émission. Dans un instant, Tom de retour. Corinne Touzet, Djibril Cissé. Tout à l'heure avec nous, donc le papa du professionnel, entre autres, des tontons flingueurs. Tontons flingueurs. Voilà. Le guignolo. Tout ça, c'est lui. Il y aura Georges Lautner qui sera avec nous tout à l'heure. Nous parlerons
Nous parlerons Coupe du monde de football avec quelqu'un qui l'a raté bêtement. Et à mon avis, nous essaierons de savoir comment il l'a vécu de chez lui. Il y aura Djibril Cissé qui sera notre invité tout à l'heure. Oui, monsieur Dutch. Il ne l'a pas raté bêtement. Il s'est fait assassiner par un mec qui l'a défoncé alors qu'il le mangeait en vitesse. C'était pas bêtement, ça a été un attentat. Carrément. Un attentat. Très bien, je note le mot attentat. Mais je note le mot attentat. Mais pour l'instant, allez, on y va. Je suis en pleine forme. Je demande d'applaudir Corinne Touzé. Allez, on y va. Puisque nous allons parler dans un instant d'un sujet important, nous allons parler de l'AFIPA, qui lutte entre autres contre le trafic de fourrure de chiens, de chats. C'est ça, je ne me trompe pas. Hein. Absolument. On va en parler dans un instant complètement parce que je crois, en préparant l'émission, j'ai vu que parfois il y avait des fourrures qui n'étaient pas totalement sûres de l'origine. Souvent. Es-tu sûr de ce petit duvet, Laurent? Sais-tu d'où il vient exactement? Il m'appartient. 30 ans que je le cultive. Voilà. Ça, tu en es sûr. Mais des fois, nous allons en parler dans quelques minutes, et des fois, ça peut faire peur. Et comme le dit Corinne, souvent, nous ne sommes sûrs de rien quant à la provenance des animaux. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver à porter du chien. Sans le savoir, oui. Ou du chat. Pour en acheter aussi. Oh, bon, déjà, on parlera de ça. Déjà, de porter de la fourrure en ce moment, ça se fait plus trop. Bon. Malheureusement, ça revient à la mode. C'est pour ça que je suis là ce soir, oui, parce qu'il faut vraiment que ça s'arrête. Oui, alors on va en parler tout de suite. Ça a l'air d'aller sinon? Moi ça va, c'est un peu chaud mais... Avant de parler de ça, parlons des bonnes nouvelles. L'été s'est bien passé? J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait que ça. J'aurais bien aimé partir en vacances. J'ai une question, votre week-end au Touquet, ça s'est fait ou pas finalement? Ah, ou tu devais présenter Corinne à ta famille ou C'est-à-dire que... J'étais alors... pas au courant. Si, la dernière fois, vous deviez partir tous les deux. Ouais, non. Au Touquet? Si. Pourquoi votre famille est au Touquet? Non. Sous la pluie. Mais on s'était dit... On passait par le Touquet avant d'aller à Marle. Non, mais vous m'avez jamais parlé de ça. Non. On avait parlé de la Martinique, moi j'en suis restée là. Oui, eh ben... Vous n'avez aucune parole, il faut quand même le savoir. Quoi? Non. Et pourquoi? Petit déjeuner, j'en ai pas vu la queue d'un. Petit déjeuner. Ah oui. D'accord. Oui, parce que chacun en son temps. On mange d'abord. Alors voilà. Non, écoutez, madame. Le petit conche. Écoutez, madame, d'abord j'ai des principes, je vous emmène d'abord dans ma famille. Ah bon? Voilà. Je crois qu'il n'a pas osé, Corinne. Et j'ai comme cette impression que si un jour je t'appelais, je disais, allez, on est fou, on part à Marle. Ça me ferait rire, moi. Tut. Ça me fait plus rire qu'un week-end à Venise ou à... Ah, c'est moins cher, surtout. À New York. C'est encore moins cher. Ah oui, ça ferait... Ça me fait marrer, ouais. Ah ouais? Non, mais en plus, il faut que vous sachiez que j'ai passé une partie de mon enfance dans le Nord, quand même. Une bonne dizaine d'années. Et que j'y suis très attachée. Je vous embrasse tous, je vous ai pas oublié. Je vais la ramener. Bon. Je préviens ma famille qui prépare un bon ragoût de mouton, je vais la ramener. Alors, avant d'aller plus loin, il y a un truc que je voudrais tester, c'est le révélateur de pensée. Je sais pas si vous connaissez, je vous explique, le principe est simple. Tu vas me poser les questions que tu veux, je réponds très honnêtement, le plus honnêtement du monde, et ensuite vous découvrirez sur cet écran ce que je pense réellement. Amusant, technique, moderne, rigolade, attention. Tu réagis comment si je t'invite chez moi un soir? Eh bien, sache-le. Et je reste impassible. J'en serai. Arrêtez de rire, ça devient vexant. Si vous m'invitiez un soir, j'en serai très honoré. Moi, chez Corinne Touzé. Oui, tiens. Je suis trop content. C'est exactement ce que je viens de dire. Ça m'a très mal suffi, cette histoire. Pas du tout. Parce que moi, je les ai toutes là, les questions, c'est un cauchemar. Moi, j'ai les réponses. Alors, 1, 2, 3. Est-ce que tu aimes bien comme je suis habillée ce soir? Je sais pas pourquoi ça me gratte la gorge quand je... Franchement. Oui. Très bien. Oui. Laurent est d'accord? Très bien, très classe. Franchement. Oh, la déception. Mais comment elle est fringuée?
même pas un beau décolleté, vous en direz une bonne sœur. Elle... Oh là 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 là, je suis déçu. Cette fois, ça marche pas tout le temps. Une autre question, peut-être? Ça, je peux pas te la poser. Si. Non. Si, tu peux. Non. Tu peux. Putain, mais non. Tu peux. Si. Oui. Non, franchement. Chloé. Oui, Corinne. Tu me trouves comment physiquement? Eh bien, physiquement, je trouve que tu es une femme splendide et très élégante. Méga bonne. Vraiment. C'est... On l'a pas bien réglé. C'est bon, là, j'ai compris. Pense à autre chose. Voilà, vas-y. Tu penses quoi de ma série Une femme d'honneur? Alors, France, honnêtement, c'est une série... c'est une série super sympa. Ah non, vraiment. Ouais, Une femme d'honneur, oui, c'est bien, c'est gentil, mais... Mais bon... On pourrait peut-être faire une version plus haute, hein, avec des jupes courtes. Non, des jupes courtes. Non. Puis c'est moi qui filmerai. Dis pas de jupes, on enlève les jupes. Ah, en string. Non, il est. C'est pas ce que je pense. Hein. Allez, une avant-dernière. Hein, que... Cécile, pardon. Si je te demande de me donner la place de Cécile, est-ce que tu me la donnes? Oui. Vérification. Oh, oui. Oui. C'est ma pensée. Allez, la dernière, parce que... La dernière, hein, quand même. Non, je peux pas te poser cette question. Si, elle est bien. Non. Si, elle est bien. Non. Si, elle est bien. Corinne. Elle est très sobre. Cécile, comédie. Non, elle est très sobre. Corinne, avoir confiance. Non, allez. Je sais déjà ta réponse. Pas du tout, Corinne. Il peut être... Corinne, regarde, look my eyes. Oui, justement, oui. Chloé. Oui. Si tu passais une soirée avec moi, seule, tu ferais quoi? Sache-le, cher Corinne. Je serais super calme. Vous jouerais aux échecs? Non. On dînerait. Mmh. Et après, je te raccompagnerai chez toi. Cool. Vérification. Oh, je crois que je serais super calme. On dînerait. Et puis après, je te raccompagnerai chez toi. Cool. Puis je crois que je te ferai l'amour dans la cage d'escalier. Non, arrête. L'ascenseur, c'est mieux. Je ferai l'amour dans l'ascenseur. Non. Calme-toi. Bon, d'accord. C'est pas grave. Merci, Corinne. Désolé. Bon, moi, c'est clair. Oh. Écoutez, au moins, c'est clair. Ça fait des années que je drague Corinne. Maintenant, elle sait. Ah, là, c'est clair. Maintenant, elle sait. Mais vous draguez tout le monde. Ah non, j'ai beaucoup freiné depuis quelques temps. Non, donne-moi. C'est les femmes qui draguent maintenant. Est-ce qu'elles te draguent, elles? Jamais. Et ben voilà, c'est pour ça que ça marche. C'est pour ça que je sens que ça progresse. Elle ne me parle pas du tout. Elle ne me regarde plus. Je sens que ça progresse. Je sens qu'il y a un petit plus. Il y a quelque chose. Dans l'indifférence, il y a peut-être quelque chose, oui. Enfin, c'est pas gagné encore, mais on va y arriver. Alors, on voulait parler. Ça, c'était important. En parlions donc de l'AFIPA. Ça, c'est une chose importante. L'Association française et internationale de protection animal qui lutte contre l'utilisation de fourrures de chats et de chiens. L'association en quelques mots, Corinne. Qu'est-ce donc? La FIPA, c'est une association qui m'a contactée il y a 3 ans et quand elle m'a appris effectivement que ce genre de fourrure circulait partout en Europe, je me suis dit c'est pas possible. J'ai donc contacté le gouvernement, en l'occurrence le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie. Et nous avons, avec Nicolas Biscay, le président de l'association, des attestations d'huissier qui peuvent éventuellement, au cas où les gens ont un doute, affirmer, nous dire. Ouais. Quand j'ai vu que c'était vrai, que ça existait, que cette souffrance existe, que les animaux sont dépecés vivants, que les animaux sont entassés par centaines dans des cages en attendant la mort, donc des chats et des chiens, je me suis dit, c'est pas possible.
que tout le monde ferme les yeux et que tout le monde s'en foute. Donc à force, c'est vrai que l'année dernière, j'ai fait vraiment le forcing, j'ai fait des lettres ouvertes dans le journal, j'ai fait des... grâce à vous aussi, parce que l'année dernière, suite à mon passage, on a eu plus de 20 000 signatures, plus de 10 000 personnes qui se sont connectées sur le site pour signer la pétition. Donc je continue parce que nous avons obtenu gagné l'obtention d'un arrêté en janvier de cette année qui interdit la commercialisation de fourrures de chat et de chien en France. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que ça se passe au niveau européen, c'est-à-dire nous exigeons l'étiquetage obligatoire de chaque peau qui rentre sur le territoire, comme pour la vache folle, c'est-à-dire savoir ce qu'on achète, de quel pays ça vient, comment l'animal a été abattu et de quel animal il s'agit. C'est-à-dire que sur chaque peau, il faut qu'il y ait un nom scientifique et un nom commercial. Pourquoi ? Parce que je vous ai amené un petit cadeau qui arrive de Belgique, qu'on a récupéré hier, qui est juste à côté de vous dans le sac. Et c'est quelque chose acheter pour 800 euros en Belgique au jour d'aujourd'hui. Non, mais vous pouvez le sortir. Allez-y. Bon, je sais pas ce que c'est, moi. Ben oui, mais c'est important. Oh. T'es con. C'est pas un cadeau. Regarde et rends-le après. D'accord. Ce sera très mignon avec ça. Écoutez, c'est... Alors, c'est très très gentil, ça ne me va pas du tout. Non, mais le mets pas, c'est horrible. Non, n'importe mais ça pas, vient de Chine, n'importe, quoi, là, n'importe c'est pas. Quoi donc c'est du chien. Ah, et l'enlever alors. Qu'on appelle sous un nom inventé qu'ils ont appelé loup de Chine ou loup de Corée. Quelle horreur! Cet animal n'existe pas. Ça, c'est du chien. Ce manteau coûte 800 euros. Mais d'or. Et nous l'avons c'est acheté horrible. À Bruxelles hier. En Belgique, alors je sais qu'on est voilà. Très suivi en Belgique. Donc voilà, donc moi j'adore la Belgique, j'adore la Suisse, nous avons trouvé les mêmes au Luxembourg. Je regarde l'étiquette, il n'y a rien d'écrit. Donc ces peaux passent la frontière sous des noms inventés, il faut une réglementation, il faut que ça s'arrête, et il faut que les gouvernements arrêtent de fermer les yeux et de nous prendre pour des schtroumpfs aussi à longueur d'année. En France on fait rien, enfin on fait venir que les peaux en France, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trafic d'animaux eux-mêmes. Je ne peux pas me permettre ce soir de parler de ça parce que je n'ai pas encore suffisamment de preuves pour l'attester. Mais au Luxembourg, en Pologne, au Portugal, en Tchécoslovaquie, nous en avons la preuve. On a un dossier comme ça. Le Luxembourg ? Au Luxembourg. C'est tout petit, enfin, c'est pas loin d'ici en plus. C'est tout petit, il y a beaucoup d'argent et il y a effectivement ce genre de fourreur. Ou de, voilà, quelles sont les amendes encourues aujourd'hui si on porte c'est rien, ça c'est rien, c'est rien, c'est rien. Il n'y a aucune loi qui empêche ça, donc tout le monde est dans son bon droit. Tant que l'étiquetage doit être obligatoire pour qu'on sache de quel animal il s'agit, mais définitivement. Est-ce qu'on fait croire aux gens que c'est du synthétique ou est-ce qu'on fait croire... Est-ce que les gens savent que c'est de la vraie fourrure? Voilà, il y a cette fourrure dont on dit qu'elle est synthétique alors que c'est faux. Effectivement, vous avez raison, Cécile. Et il y a aussi, maintenant, des races qu'on a inventées. Donc, loup de Corée et loup de Chine, ce sont des races qui reviennent tout le temps dans nos correspondances et qui n'existent pas. Ces animaux n'existent pas. Ils ont été inventés pour pouvoir passer la frontière plus tranquillement. Regardez, il y a des petits clips. Regardez chez vous à la maison. Il faut en prendre conscience. Regardez. Des millions de chats et de chiens sont massacrés pour leur fourrure chaque année dans le monde. Si certains animaux sont cajolés, d'autres subissent les pires atrocités. On continue à commercialiser des fourrures sans étiquetage sous des noms trompeurs. Exigeons un étiquetage mentionnant le nom commercial et scientifique, le pays d'origine et la méthode d'abattage de l'animal. Ces mesures sont indispensables. Aidez la FIPA. Envoyez vos dons. Merci. Ben voilà, en tout cas, faut pas applaudir les gens qui le font, faut applaudir le combat qui est mené. On a vu une photo avec Liane Folly, qui est l'une des marraines de l'association aussi, je suppose. On est des porte-parole de l'association, oui. Alors, si vous voulez signer le manifeste, alors il suffit juste de dire on vous soutient, on est solidaire avec vous. Vous allez faire un tour sur www.afipa.net ou www.antifourrure.org. Pas difficile. Antifourrure.org ou afipa.net. Et le but du jeu, c'est quoi alors maintenant? C'est donc d'exiger l'étiquetage obligatoire de chaque peau qui rentre sur le territoire et surtout que ça soit voté au Parlement européen. Donc nous, on lance cette campagne à partir de la semaine prochaine, du 4 octobre, parce que c'est la journée de l'animal. Et tout ce que je suis en train de vous dire est dans un petit dossier qui est dans le casier de chaque parlementaire à partir de la semaine prochaine. En France, j'ai l'impression que c'est le cadet de leurs soucis et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi non plus qu'on soit un pays où il y a 40 millions ou 30 millions d'animaux domestiques au mètre carré, qu'on achète des petites laisses à 500 balles, 1000 balles. Oui, il y a plein d'accessoires qui ont dépensé beaucoup d'argent. Et tout ça en fermant les yeux sur le trafic d'animaux, sur l'utilisation, voilà. Non, mais c'est important que vous le sachiez. C'est pas juste pour me faire remarquer que je suis là. C'est parce que ça, c'est pas possible, quoi. On s'en doute bien. Bon, bah, en tout cas, il faut saluer tous les gens
pauvre petite bête. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Bah, il faut signer le manifeste. Il faut déjà en parler à tout le monde. Il faut que ça s'arrête. C'est comme les médicaments, c'est comme les... Non, mais est-ce que vous attendez un nombre de signatures sur ce site? Oui, alors, le gouvernement bouge. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on en ait 100 000, ça serait extraordinaire. Mais si ce soir, on en avait 20 000 et que la semaine d'après, 20 000, et voilà, il faut que vous en parliez à vos familles, il faut que vous tanniez des gens qui sont en province pour que ça s'arrête. Je pense que c'est possible. Il faut juste qu'ils nous prennent au sérieux. Et pour l'instant, les animaux, voilà. Les images sont atroces. Hein. Voilà. Alors Jacques, si vous nous entendez... Bon, il y a un truc qui est totalement injuste, c'est qu'un animal ne peut pas parler. Fais un bisou, moi. Et c'est vrai, voilà, la FIPA. Je vous donnerai l'adresse dans deux secondes, c'est important. Et c'est la 10e année de Femmes d'honneur. Oui. 10 ans. On fête notre anniversaire le 26 novembre. On est invité? Si vous voulez. Ah, tous à l'anniversaire de Femmes d'honneur le 26 novembre. Bah, 10 ans, voilà, c'est un très joli chiffre, je trouve. Et puis, ça vaut le coup de... Moi, je suis fière de ce parcours. Je suis fière de ce qui nous est arrivé. Il y a beaucoup de séries qui s'arrêtent, vous savez, en cours de route, faute de combattants. Ça, c'est vrai. Nous, on est là, aux rediffusions, tout le monde est là. Je trouvais que c'était important pour nous, pour tout le monde, bien de sûr. Les fêter et que ça soit gai. Est-ce qu'il y aura des nouveaux rebondissements? Est-ce qu'il va se passer des choses dans les prochains épisodes? Mais il y a une chose qui s'est passée ce soir, mais je suppose que vous n'avez pas regardé le film parce que vous ne vous intéressez pas du tout à ce que alors, je c'est fais. Pas vrai, je préparais c'est l'émission. Bien. Écoutez, Corinne, je préparais l'émission. L'émission. Il était au maquillage. Je réglais la machine à... Mon fils m'a quitté. Mon fils est parti faire des études aux États-Unis. Dans l'épisode de... Oui, et je suis toute seule. Voilà. Ah, bah voilà, on va peut-être pouvoir manger ensemble, alors. Mais pourquoi? Ah oui, non, c'est dans la série. Ah, ouais. Est-ce qu'il va y avoir des avancées technologiques? Parce qu'on a lu un truc qui nous a fait rire dans un quotidien, que Julie Lescaut se mettait à la pointe de la technologie et qu'enfin, le téléphone portable arrivait dans les séries de Julie Lescaut. Ah non, ça fait longtemps. Non, alors vous êtes vache, ça fait longtemps que j'ai le téléphone portable. Ça fait longtemps que j'ai un téléphone portable. Parce que nous avons changé d'uniforme, vous le savez, cette année. Nous avons tous changé d'uniforme cette année. Moi j'ai repéré un truc. Depuis que j'ai vu Corinne, elle m'a expliqué un truc. Dans Femme de loi, maintenant je suis super. Non, c'est pas moi. Dans. Non. Dans Femme d'honneur, j'ai repéré un truc. Maintenant je le sais à chaque fois. Quand elle est en jupe, oui, j'aurais jamais dit. Courir. C'est qu'elle va pas courir. C'est vrai. Dès qu'elle est en treillis, hop, c'est qu'elle va courir. La dernière fois, j'étais chez moi, elle était en treillis, elle sortait de la Clio. Et là, je disais, elle va courir. Les gens autour de moi, ils font, mais non, elle va pas courir. Je te dis qu'elle va courir. Et à un moment donné, elle a couru. Le treillis, c'est un truc, une fois qu'on l'a repéré, on repart. Ou alors ça. Je grimpe ça pour. Oui, c'est ça, bah, c'est pas vraiment que courir. Ça... En tout cas, j'ai repéré. En tout cas, l'Association française internationale de protection animale voulait soutenir l'association, on en a parlé. Ce sont des images un petit peu dures. Ça existe, ça vient de plusieurs endroits du monde et les fourrures atterrissent chez nous. Et peut-être dans votre placard, faites-y bien attention. Et le manifeste anti-fourrure, www.afipa.net. Vous pouvez applaudir Corinne Touzé qui est avec nous ce soir. Attention, tout à l'heure avec nous, il y aura Djibril Cissé qui sera là. Alors que des millions de gens et des dizaines de millions de téléspectateurs ont suivi la Coupe du Monde de football, comment lui a-t-il vécu ce moment alors qu'il s'est cassé la jambe très tôt dans ce moment terrible? On a tous souffert pour lui. T'inquiète, c'est un Golgoth, il est déjà rétabli. C'est vrai, en plus, ah, non, mais il est en super forme et il rejoue très bientôt. Il a loupé l'Euro aussi. Déçu. Bon, parlons de deux autres déçus. Ouais. Elles ont quitté le château. En côte de maille. elles ont gardé. Chevalier. C'est pour l'animation l'année prochaine au Puy du Fou. Directement habillées en côte de maille. Alors, les filles. Fafa, tu as 29 ans. Oui. Tu es née où? À Cotonou, au Bénin, en Afrique. D'accord. Qu'est-ce que tu faisais avant d'entrer dans la Starac? Rien. Rien du tout. Rien du tout? Mais du tout? Non, je faisais le ménage dans le métro. Non, c'est des conneries. En fait, je suis étudiante en musicologie. Ça peut arriver, hein, rigole pas trop. Hein. Oh, c'est jamais de quoi est fait le futur. Hein. Non, mais on déconne oui, sur le passé, puis suis, le futur, nous ouvre les bras. Je suis dit, au bout de deux semaines, je pense que ça peut arriver, quoi. Bon, tes passions, toi, t'adores donc la danse traditionnelle. Ouais. Et depuis 3 ans, tu joues des petites percussions. Exactement. C'est quoi les petites percussions? C'est maracas. Castagnette. D'accord. Triangle. Genre. Oui, ça donne un peu l'air con, mais c'est sympa. Exactement. Si, c'est...
Si, si, c'est... Disons que tout un concert, à fin, ça doit... Ouais, exactement. Bon, alors, t'es fiancée, un petit copain? Je suis mariée. Oh, dis donc. Oui. Depuis combien de temps? Depuis presque un an. Dis donc. Et qu'est-ce qu'il a dit quand t'es rentrée dans le château? Enfin, seul. Est-ce qu'il a eu peur? Est-ce qu'il s'est dit, oh là là, il y a plein de mecs autour, ça y est, je vais non. la perdre? Non, il a eu peur, mais plutôt pour moi, en fait. Il a eu... Disons, il avait peur que... Je sais pas, que je m'en sorte pas moralement, je veux dire. Voilà. Donc, moi, que ce soit trop difficile à suivre. Ça a l'air d'aller, voilà, là. C'est... Ah oui, complètement. Ça va très bien. Oui, ça a l'air. Mais il avait pas peur de la salle CSA, des bisous? Non. Mais des bisous ou non, ça va, c'est bon. Des bisous ou non. C'est pas des bisous, c'est des bisous zou. C'est un peu plus... Non. Pourquoi tu penses avoir été éliminé par le public? Ah, bonne question. En fait, j'ai pas eu le temps de penser à ça. Est-ce que c'est vrai que t'as dit que tu penses que les gens ne votent pas pour les Noirs? Alors là, ça, je m'y attendais, Koué, tu vois. De ta part, je ne suis pas étonnée. Ah non, c'est ce non, en fait, à un moment, j'ai eu une conversation au château qui n'était pas censée passer à l'antenne. Ah oui, c'est problème du micro, hein. J'ai eu avec Eloïcha, et je lui disais, tu sais quoi, moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains qui regardent la Star Academy. Et donc, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui votent pour moi. Bon, à la limite, on a plutôt pris la fin de la phrase pour dire que j'ai dit que les gens n'allaient pas voter pour moi. Donc c'est complètement... Ceci dit, c'est peut-être une vérité aussi, même si je ne l'ai pas dit. Ah, bah attends, des fois... J'en sais rien. Eloïcha, 18 ans. Yes. Bonjour, madame. Bonjour, tu viens d'où? Savigny-le-Temple. Très bien. Tu faisais quoi avant d'entrer au château? J'étais lycéenne. Très bien. Quelle classe? Première. À 18 ans, bravo. Yes. Donc première année de maternelle. Tu vas retourner au lycée, là? Ouais, je vais retourner au lycée, mais je vais continuer en musique aussi. Oui, bah bien sûr, t'as le droit. Voilà, normal. Bon, c'était ça quoi tes cours? Ça que tu bosses un peu plus, hein? Oui. Ouais, bon. Tu veux faire un bac quoi? Un bac STG. Quoi? STG. Oh, sciences techniques et gestion. Ah, voilà. Excusez-nous, voilà. Ça fait 2000 ans, moi. Alors, t'as eu la plus mauvaise note cette semaine des évaluations de toutes. Et ouais. 7,33 sur 20. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'étais nulle? Ben écoute, moi j'ai pas trop compris ma note. Ah, t'as toujours pas compris? Non, j'ai pas compris. Tu as revu la séquence ou pas? Ouais, je l'ai revu, ouais. Et je l'ai revu et ça m'a toujours pas expliqué pourquoi j'ai eu la note. Est-ce que tu crois pas que ce serait ton caractère? Un petit peu fort? Ben possible. Possible, mais moi je suis. Petit pétage de plomb? Ouais, possible. Je bouffais pas ce bonjour. Non. Non, voilà, je suis comme ça, j'allais pas changer pour. Non, attends, t'as ton caractère, château. C'est bien, mais bien ça peut peut-être jouer contre tu toi. Tu peux t'améliorer, tu peux améliorer des points qui sont. Non. T'adoucir, t'arrondir. Non, j'ai été très douce. Je pense qu'ils ont montré une image de moi aussi, que c'était pas forcément moi. On a surtout mis en avant. Ah si, c'était toi. C'était moi, mais on a surtout mis en avant les pétages de plomb que j'avais et on n'a pas montré autre chose de moi. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est là que les gens, ils ont pu croire que j'étais. Peut-être un petit peu violente ou peut-être la petite Caille, ce que je ne suis pas du tout. Caille, pour ma marraine de Charente-Maritime, diminutif de Caïra. Diminutif Verlan de racaille. Jeune peu fréquentable. Des cailles. Voilà. Bon, je précise parce que tout le public ne doit pas forcément. Une caille. Peut-être une caille. Elle dit qu'elle ressemble à une caille. Bon, et alors, donc, il y a quelques semaines, nous avons chanté ensemble. Oui, yes. Cette pas chanter. Cette grande. Ah, chanter. Nous, on ne chante pas. Chanté, Isabelle, Zidane, il va marquer. Et. Tu aurais dit, dans un langage fleuri, oh, cette chanson, c'est de la merde. C'est pas totalement faux. C'est pas non plus, bon. Non, ce que j'ai dit, en fait, sur le coup, on m'a fait chanter que ça, sur le prime. C'est pas que la musique, je l'aime pas, mais c'est que je suis pas venue à la Star Academy pour chanter que ça, on est bien d'accord. Donc voilà, à partir de ce moment-là, moi, je me suis fâchée, j'étais pas contente. Ouais. Ah, j'ai une petite surprise pour vous, quelqu'un que vous allez devoir voir à partir de maintenant, quelqu'un qui... Vous allez devoir passer à son bureau dès la fin de l'émission, le responsable de la NPE spectacle. Il est de retour, ça faisait 6 mois qu'il était dans son bureau, on n'entendait plus parler de lui. Monsieur Gredin? Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gredin. Alors, monsieur Gredin. Oui. Quelle ambiance. Comment trouvez-vous ces petites jeunes? Écoutez, j'ai pas grand-chose à leur proposer pour l'instant, donc je préfère peut-être juger sur la prestation qui risque d'y avoir dans un instant. Ah, je vous donne mon avis après. À ce très moment, bien. Dans eh une bien, joie non dissimulée. Les filles, puisque vous êtes des presque chanteuses, vous êtes des presque stars, c'est le moment du rattrapage avec presque Johnny Hallyday. Ah. Johnny. Alors, ça va bien? Ça va, bonsoir tout le monde, comment ça va? Alors,
Qu'est-ce qu'on pourrait chanter, presque Johnny? Je peux vous appeler presque? Non, mais tu m'appelles Richie, ça ira bien. D'accord. Moi, je t'appelle Sébastien, alors. T'es pas obligé. Alors donc, qu'est-ce qu'elles peuvent chanter? Marie, tiens, Marie. Venez là, prenez votre texte, prenez votre texte. Allez, oui. Alors... Attention. Voici le rattrapage de la Starac avec presque Johnny. Oh Marie, oh là, moins fort. Si tu savais tout le mal qu'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras me reposer. Oh Marie, si tu savais. Oui, monsieur le directeur. Oui, très bien. Sans problème. Sans toute problème. La journée. Oh, mais, bravo. Attention. Tout le rattrapage. Oh là là. Rappelez les applaudir beaucoup plus fort que ça, quand même. Oui, mais Corée, c'est pas juste. Ah, on la connaît pas. Mais c'est pas juste. Voyez, voyez. C'est pas juste. Bon, en attendant, vous avez presque bien chanté avec presque Johnny. Bravo, les filles. Installez-vous, merci. En tout cas. À bientôt. Ciao, Corée. À bientôt. Ça m'a fait plaisir, hein. C'est pas fait plaisir aussi. Ça m'a fait plaisir. À bientôt, triomphe presque Johnny. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Monsieur Gredin. Ah, monsieur Gredin, qu'avez-vous pensé de cette prestation de rattrapage? C'était bien. Oh la vache, les coquines. Oh la vache. Oh, c'est trop bon, ça. Ouais. J'adore. L'autre, elle lui fait des bisous. Monsieur Gredin, oh. Oui, pardon. Tu parlais de ce qui s'est passé dans le plateau? J'ai pas vu. Non, parce que c'est les techniciens, ils ont changé la chaîne et j'étais... Oui, bah c'est pas grave, on verra ça la semaine prochaine, d'accord? Pardon, excusez-moi, la semaine prochaine, hein. Tu auras dû regarder ça. À bientôt, au revoir, ciao. Oh là 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 là. Secondes avec nous, vous allez tout savoir, surtout nos invités, Djibril Cissé, Rosie de Palma, tout le monde ne bougez pas. Il y a une ambiance ce soir. Avant que Corinne ne nous quitte, et oui, Corinne doit nous quitter. Avant de rappeler l'adresse pour vous inscrire pour le site internet pour qu'il n'y ait plus... C'est l'AFIPA. Signer la pétition. C'est ça, hein, AFIPA, pour www.afipa.net. On me dit, Corinne, que par contre, il y avait quelqu'un qui voulait se plaindre depuis tout à l'heure en loge. On a beaucoup parlé des fourreurs, mais tous les fourreurs ne sont pas identiques non plus. Hein. Certains font leur travail... Oui, mais il y en a quand même qui sont de vrais... Il y a un métier comme un autre, hein, qui existe depuis très longtemps. Monsieur, vous êtes là? Vous m'entendez? Monsieur? T'inquiète pas, Pépère, ça va bien se passer. Monsieur? Pardon. Bonsoir. 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 Non, vous inquiétez pas, il bougera pas. Ah, c'est un serpent, Maurice. Tu restes tranquille. Hein. C'est un serpent. Oui, alors, je viens, excusez-moi de vous déranger, monsieur. Oui. Vous pouvez m'exprimer dans votre émission. Oui. Au nom des fourreurs de France. On nous traite beaucoup d'ennemis des animaux et je tenais à préciser que ce n'est pas le cas. Nous sommes les amis des animaux. Oui, enfin, on va peut-être pas exagérer quand même, les amis des animaux. Enfin, c'est-à-dire, expliquez-vous quand même en deux secondes. Oui, donc, je disais, Il a disparu, le serpent. Oui. Ah non, c'est parce qu'il est parti voir Julien Courbet. Ah d'accord. Je disais, donc nous les fourreurs, nous sommes mal aimés. Les gens, ils nous prennent pour des sauvages, alors que c'est pas le cas, regardez. On aime les animaux. Ah, c'est mignon ça, le petit... Alors lesquels vous n'utilisez pas? Il était mignon ce petit cochon d'Inde. Lesquels vous n'utilisez pas d'animaux? Non, mais je vous disais... Oh hein? Oui, le cochon d'Inde. Il était sur vous tout à l'heure. J'ai jamais eu de cochon d'Inde entre les mains. Ça a toujours été ce petit chapeau russe. Non, c'est un cochon d'Inde. Chapka. Non, c'était un cochon d'Inde. Je disais donc, les animaux sont mes amis. Attendez, j'ai un problème avec une personne là. Non, non, arrête. Qu'est-ce qu'il fait là? Attendez, il est en train d'essayer de me mordre la main. Arrête. Oui, ne déconnez pas parce qu'il est énorme quand même. Enfin, nous, on voulait vous dire, voilà, ce que vous faites, c'est pas très bien. On n'est pas solidaires. On voulait vous le dire, voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, ça marche pas. Oui, je sais. Des fois, ça marche pas. Oui.
Non, moi, je vois pas. Je sais, des fois, ça marche pas. Je suis d'accord avec vous, des fois... Je vous demande d'applaudir. Elle nous quitte, Corinne Touzé. Au revoir, Corinne. En attendant, Rosie de Palma, allez! Oh là! Comment allez-vous, Rosie? Ça va très bien. Quelle élégance ce soir. Qu'est-ce que c'est que ces tatouages que je n'avais pas vu avant? Mais il y a quoi que si. Mais je crois que non. Creo que si. Il y a quoi que non. C'est un dragon. C'est la bête en moi. C'est étonnant de le faire en dessous. D'habitude, on le fait au-dessus. Mais ça, c'est parce que justement, tout c'est pour me regarder dans les yeux. Puis quand il fait comme ça, il me chauffe les ventres. D'accord. Il y en a qu'un? Et il touche le sang. Il y en a qu'un. Ah, il y en a qu'un. Il y a ça, mais ça, c'est une autre chose. D'accord. Il n'y en a pas d'autres en prévision? Non, il ne vient pas cacher, tu n'as pas la chance. D'accord. Ah non, rien à chercher. D'accord, très bien. Cécile? Je voulais parler d'un film qui s'appelle « Femme au bord de la crise de nerfs » d'Almodovar. Ouais. Et en fait, dans ce film, vous avez un rôle particulier, vous dormez tout le temps. Et visiblement, ouais. Comme vous vous ennuyiez un petit peu durant le tournage, Pedro. Almodovar vous a concocté une petite scène un peu particulière. Si, dans les personnages qu'il y a fait, si. Qui était une vierge. Et comme tous les vierges, c'était un peu antipathique. Et un jour, il est venu voir, « Ok, tu vas avoir un rêve, et dans ton rêve, tu vas avoir un rêve érotique, tu vas avoir un orgasme. Et comme ça, tu vas faire quelque chose de plus. » Et dans ce rêve, vous criez Non, c'était un rêve, c'était ce type. Là, je suis pour rien. Hein. Là, je suis pour rien. Mais tu n'as pas vu les pieds, quand même. On peut le refaire. Je peux jouer avec vous. On ferme les yeux. Allez, on ferme les yeux. On rêve ensemble. Non, tu vas me faire un. Non, on rêve ensemble. Non, j'ai pas confiance. Allez, vous pouvez recommencer, on rêve ensemble. J'ai pas confiance. Ah, si. Fais-le toi, il te regarde. D'accord. Mais tu es fatigué aujourd'hui? Ah non, je suis enfant. Non, l'applaudissez pas, ça me déconcentre. Vite, il y a le taxi, on va. Si, très bien, Koé. Si. Koé. Vous étiez un peu trop nombreux dans mon rêve. Ça m'a un peu. Le temps de rappeler que depuis le 20 septembre jusqu'au 1er octobre. Si. Puis. Du 31 octobre au 5 novembre. Bravo. Et puis. Et même. Du 19 juin au 1er juillet. Bravo. Il y a le chanteur de Mexico au théâtre du Châtelet. Avec Rosie de Palma. Il y a aussi Jean Benguigui, que moi j'adore. Il y a Clotilde Courau. Magnifique aussi. Ah, il y a du beau monde dedans. Hein. Il y a deux grands ténors. Les fantastiques espagnols Ismaël. Mais il chante, Jean Benguigui? Il chante... Ah, si. Il chante tout. Hein. Toute ta vie en quelques secondes, tu dis si je me trompe, d'accord? OK. Rosa Elena García est née le 16 septembre. Oh, comment? 1964. Attention, elle est née à Palma de Mallorca, en Espagne. Palma, c'est la Méditerranée, pas ton de flamenco, mais vrai. Rosie de Palma... Les clichés. Vous êtes lourde, les Français, avec les clichés. Rosie de Palma n'a pas eu à courir les castings. Pour avoir un rôle, pas besoin. En effet, Rosie croise souvent Pedro Almodovar dans des endroits de réflexion. Et oui, Pedro et Rosie adorent tous les deux les soirées madrilènes. Par la suite, Pedro propose à Rosie de jouer dans La Loi du Désir. Non, c'est une tragédie. Merci. Qui parle de l'homosexualité avec Antonio Banderas. Oui. Ensuite, Pedro continue à faire tourner Rossi. Ah, ça tourne! Non, à tourner dans les films. Voilà. Il fait jouer Rossi dans Femme au bord de la crise de nerfs. Ah. Attache-moi. Et Kika. Kika. Pas caca. Voilà. Et pour finir, La fleur de mon secret. Non, j'ai pas de son ni pour fleur ni pour secret. Mais Rossi ne tourne pas qu'en Espagne, elle a joué aussi en France. D'ailleurs, tout le monde se souvient d'elle dans Le Boulet.
Rossi est une actrice fantastique qui acquiert de plus en plus d'expérience. Ce soir, Rossi est avec moi. Pour la promo du chanteur de Mexico. Mexico, Mexico. Avec un public en folie. Ok, super. Avec un public super génial à qui je vais donner de l'argent à la fin de l'émission. Tout s'achète. Ça va. Oh là là, merci. C'est vrai que vous êtes rencontré avec Pedro Almodovar quand tu étais serveuse dans un bar? Oui, oui, j'étais toujours artiste depuis tout petit. Oui. Et alors, j'ai commencé avec la musique. Et comme il n'y avait pas d'argent, on était 9 personnes dans les groupes. Moi, j'ai travaillé tout de suite. Je me suis engagée à travailler dans les bars. Et l'arrivée en France, c'était quand? C'était pour le film Sam Soufi de Virginie Thévenet. Mmh. Il ne parlait même pas un mot de français. Et on se communiquait en anglais. Et c'est comme ça que j'ai dit, écoutez, pour ne pas me payer autant d'aller-retour en avion, pourquoi vous ne me payez pas les petits appartements à Paris? Et j'ai resté comme ça, j'ai commencé à apprivoiser un peu la langue. Nous, les Français, on est les meilleurs. On est les meilleurs. On est les meilleurs. On est les meilleurs, pourquoi? Les meilleurs, pourquoi? L'amour, la cuisine. Et je ne sais pas quoi dire, moi, je n'ai pas goûté. Jamais un Français? Non, je crois pas. Jamais essayé un Français? C'est mieux pas parler des nationalités, c'est con. Parce qu'il y a pas avoir un espagnol magnifique et une autre qui ne savent pas rien faire. Oui, et un français rassure. Que c'est génial. Mais de temps que l'homme, il est génial. L'homme, il est génial quand il n'est pas vaniteux. Parce que la vanité, c'est une chose très masculine. Mmh. Hein, il t'a mis un défaut. Et le problème, c'est l'homme qui se regarde faire. Ça, c'est. Oh. Il semble les plus beaux, c'est les qui ne savent pas qu'ils sont beaux. Ah bah je sais pas moi, hein. Je sais pas du tout. Mais moi. Tu es beau alors. Ah bon? Mais oui. Eh ben voilà, je suis beau parce que je le sais pas. Qu'est-ce que t'as dit? T'es beau? Elle a dit les plus beaux hommes, c'est ceux qui le savent pas. Je dis moi je sais pas du tout. Je suis pas sûr que t'aies bien compris ce qu'elle a dit. Si, si. Si, si. Il a bien compris. Ah, si, si. Pour une fois, laisse-le. Hein. Si, si, un accent très fort, mais j'ai bien compris. j'ai bien compris. Bon, alors en ce moment, ce qui est très important aussi, c'est de te voir dans Le Chanteur de Mexico. Ah oui. L'histoire du Chanteur de Mexico, en quelques mots. Bon, c'est que c'est génial dans la revisitation qu'a fait le théâtre du Châtelet et Emilio Sarri, c'est qu'il y a eu la pièce de théâtre, bien sûr, oui. Et des opérettes, et après il y a eu les films. Ici, c'est les tournages des films à l'intérieur de l'opérette. Alors, d'accord. C'est qu'on va voir que c'est très, très gracieux, parce qu'aussi il y a l'esthétique des années 30, les grands. Ça fait un peu Broadway, et aussi les grands studios de cinéma de l'époque, et tout ça. Mais tu chantes? Et oui, on chante tous. Tu chantes, qu'est-ce que tu chantes? J'ai chanté deux chansons, j'ai fait deux rôles. La diva, que c'est un folle. Et après, il y a Tornada, que c'est la révolutionnaire, une femme folle, un zapatiste, et très kitsch. Alors, puisque il y avait, tu es arrivé en France depuis quelques années, en France, il y a une véritable star qui était là, qui pendant des années, a fait des chansons françaises, qui s'appelait Georges Brassens. Ah mais bien sûr. Eh bien pour toi, il y a le représentant du fan club officiel de Georges Brassens qui a décidé de s'adapter entre français et espagnol. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et c'est je pour toi. Je jamais avec toi. Hein. Mais non, tu vois, regarde bien. Okay. Prépare-toi au choc physique. Attention. Effets spéciaux. Bonjour à tous, je m'appelle Georges, bonjour Madame Rossi. Bonjour. Je fais des chansons, je vous pose des questions, c'est pour vous, vous répondez. Ok. Vous comprenez pas ce que je dis? Oui, c'est à cause de votre c'est réciproque. Moustache. Alors, ça c'est t'es la moustache? Si. Et encore, vous m'avez pas vu manger de la soupe. Attention. On y va. 3, 4. Merci. Parce que je me souviens jamais de l'air. Je confonds avec Bali Balo, c'est un salaud, il bande comme un taureau. Ça n'a rien à voir. 3, 4. Ma petite Rossi, pour toi la vie, c'est de jouer la comédie. Mais est-ce que ça te fait marrer de venir sur les plateaux télé? Si, si, si.
Elle aime bien rig. Golé. Golé. Rig, olé. Ouais. Je vais en faire une deuxième. Trois. Ah, espagnol, olé. 3, 4. Je suis parti tout seul. 3, 4. Ma petite Rosie, espagnole, on va parler un peu de bagnole. Quand il fait chaud, surtout l'été, est-ce que t'aimes rouler décapoté? Si, si, si. T'aimes les cabri? Olé. Olé. Voilà. Vous avez compris? Alors, voilà la dernière. 3, 4. Mathilde Rossi, t'es une marrante pour la fête, t'es toujours partante. Mais des fois, quand t'es plus à boire, est-ce que pour toi c'est le désespoir? Non, non, non. Elle aime papy. Ben, viens le faire là, viens. Viens là avec ta grande gueule et tes poils pubiens, viens. Viens là. Viens. Un pied sur le... Alors ? Bonjour Georges. Enchanté. Flatté. Hein. Alors, elle aime... Non, c'est Georges. Alors, elle aime bien... Moi aussi que c'était ça. Très bien, vous allez la tenter, à vous. Alors donc... Elle aime bien Pig. Là, c'est bien. Merci, merci jeune homme. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Je rappelle donc que vous pouvez l'applaudir au Théâtre du Châtelet pour le chanteur de Mexico. Merci de Palma. Est-ce que je peux redevenir normal? Je peux redevenir normal ou pas? Au revoir, Georges. Très bien. Je te quitte, public, je t'aime. Attention, la marche. Où ça? Ah, merde. Il y en a 5, hein. Je t'aime, public. Je vais me retourner que personne me tire dans le dos. Au revoir. Qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le cinéma, c'est le papa, entre autres, des tontons flingueurs, les barbouzes, le pacha, le professionnel, le guignolo. Nous avons parlé bande dessinée avec Georges Lautner, Philippe Chanoine, mais également quelqu'un que l'on adore, monsieur Djibril Cissé. Allez, allez, toi. Dans 5 heures, on y est encore. Let's go! Eh oh! Eh oh! Djibril! Avant d'avoir Djibril dans le fauteuil. C'est lui! C'est lui, le papa! Pourquoi vous avez tué Belmondo dans Le Professionnel? Pourquoi, quand il marche vers l'hélico, il meurt? Parce qu'enfin, je me vengeais de lui. Eh ben, de l'avoir tué, ça m'a. À chaque fois que je le revois. Parce qu'à chaque fois que je le revois, je me dis non, il va courir. Il y a deux films. Il y a Léon de Besson et Le Professionnel. Ah ben, je ne parle plus à Besson à cause de Léon. Ah ben, non, je lui parle. Je ne lui parle plus. Je lui dis tant que tu ne le refais pas revivre, je ne lui parle plus. Je te parle. Comme ça, ça a le mérite d'être père. Avant que l'on ait Djibril dans le fauteuil, tout le monde a suivi la Coupe du Monde de football? Ouais. Je sais que parmi celles qui nous regardent, alors il y a les femmes qui regardent la Coupe du Monde de football
parce que c'est la France qui joue, par exemple, ou celle qui regarde parce qu'elle voit des garçons qui courent. Et puis celle qui regarde surtout parce qu'il n'y a qu'une télé et que leur mec regarde la télé. Donc, elles n'ont pas le choix. Donc, il était temps de faire une espèce de petit résumé en quelques secondes de tout ce qui s'était passé, y compris l'épisode de Tubride. Obligatoirement. Pour ceux qui auraient raté, c'est parti. Juste avant de débuter la Coupe du Monde, l'équipe de France a joué un match de préparation contre la Chine. Malheureusement, dans ce match, un joueur tacle Djibril Cissé dans les règles de l'art et lui casse la jambe. Djibril part directement à l'hôpital où il sera soigné par les meilleurs médecins. Oh, le vénard va... Mais l'équipe ne se laisse pas abattre et part en Allemagne pour jouer la Coupe du... Monde. Monde, merci. Au début de la compétition, les Français ne supportaient pas du tout l'équipe de France, à part moi qui les adorais dès le début. Bon, enfin bref, l'équipe de France... Merci. L'équipe de France n'avait quasiment pas de soutien, mais chaque joueur s'entraînait à bloc. Barthez dans les buts, Henri se déchaînait de son côté, sans oublier le sauveur de l'équipe de France, Pascal Chibonda, pétanque. En résumé, c'était pas gagné, puis arrivent les trois matchs éliminatoires contre les plus grandes équipes du monde. Enfin, pas super grandes, mais bon, la France passe le premier tour et se retrouve en huitième de finale contre l'Espagne, une équipe qui s'est déchaînée sur le terrain. Malgré ça, la France gagne encore une fois et se retrouve en quart de finale avec la plus grande équipe du monde, le Brésil, qui compte parmi ses joueurs Ronaldo et Ronaldinho. Non, c'est pas Ronaldo, non, ça c'est Isabelle Alonso, ça, ça n'a rien à voir. Bon, passons. Ce soir-là, la France gagne une nouvelle fois et les Français envahissent les Champs-Elysées. En demi-finale, la France affronte le Portugal. 90 minutes plus tard, la France gagne et les Français envahissent les Champs-Elysées. Le 9 juillet 2006, c'est la finale. France-Italie, Zizou marque à pénalty. De son côté, Materazzi égalise d'une tête. On n'en parle plus. Quelques minutes après, c'est le drame. Toute l'Europe va en parler pendant un mois. Je parle bien sûr de l'estafilade au doigt de Chibonda qui s'est blessé en coupant un citron. Fin des prolongations, toujours un partout. Il est l'heure de la séance de pénalty. La séance où Trezeguet loupe à peine le cadre. À peine. À peine. Pour finir, l'Italie est championne du monde, mais les Français ne sont pas rancuniers. Ils envahissent quand même les Champs-Elysées. Bon, il y avait moins de monde. Voilà le résumé de la Coupe du Monde de football. Ça va, là ? Monsieur Dutch. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, monsieur Dutch ? Non, non, ça résume bien. Hélas, notre désarroi, là, au terme de la finale. Je sais. Nous allons en parler dans quelques secondes. J'étais sur les champs, moi, quand même. Ah bon ? Ouais. Quand on avait perdu ? Ouais, ouais, pour voir un peu. Il y avait un sale goût amer. Hein. Ouais, c'était triste, vraiment. À l'image de ce qui s'est passé dans les prolongations. Moi, je faisais le tifo pour les Italiens. Je suis désolée, j'aime les Italiens. Pardon ? Eh ben, vous savez quoi ? On va vous dire au revoir pour la peine. Je vais vous garder dans l'émission, d'accord. Mais je crois qu'il va falloir aller se coucher, Macha. Bonne nuit. Applaudissez Macha Meryl. Bonne nuit, Macha. Bon. En attendant... Oh là là. En attendant... Ah, je suis chaud, hein, je sais ce qui me prend, je suis chaud. Hein. Attention, Laurent, non. Hop là. Voici Djibril Cissé dans le fauteuil, allez. Ah, là, Djibril. Tu connais Maëva? Maëva, Djibril, Maëva. Alors, voici, je vais dire des trucs. Est-ce que je dois dire Djibril ou je dois dire Lord de Djibril Cissé de Forcham? Les deux, ça me va, les deux. Comme tu choisis. Lord Djibril Cissé de Frotcham. Ou de Frotcham. On travaille dans une pièce d'Oscar Wilde. Oui, c'est ça. Quand on achète un manoir, on devient Lord. Pas forcément, titre, mais si le, ouais, si le titre est là. Moi, on me l'a cédé, donc... Ah, t'es devenu Lord. Je suis le deuxième Lord noir. Oui, c'est vrai qu'à la base, en Angleterre, il n'y en a pas des tonnes. Hein. Non. Lord Djibril Cissé. Salue les Lords. Et n'oublie pas, rappelle-toi ce que t'as dit, Macha. C'est le corps qui va à la main, c'est pas la main qui monte. Merci. Ah, faut pas embrasser ? Non, faut pas toucher. Ah, faut pas toucher en plus. T'as pas confiance, on t'y touche pas. Merci. Alors, Djibril, tu me dis si je me trompe, puisqu'on a un fan de football autour de la table, c'est Laurent Dutch. Ouais. Djibril, 27 sélections, 9 buts en équipe de France. Ouais. Ouais, bah, vas-y. Ça doit, je sais pas, là. Bon, vas-y, dis oui, toi. Alors, attends, en 2004, il a été élu quoi ? Meilleur quoi ? Attends, meilleur buteur du championnat de France ? Meilleur buteur championnat de France avec le maillot ? Auxerre. Bravo, il suit. T'as aussi remporté la Coupe d'Angleterre en... L'année d'après ? 2006. Sous les couleurs de ? Liverpool. Ouais. Bravo ! Maintenant, tu joues à ? Marseille. Très bien. Où tu devrais jouer ton premier match dès le mois d'octobre, en théorie, c'est-à-dire là, très bientôt ? Ouais, je pense un mois, je pense. Quelque chose, Cécile, une petite info, un petit oui, truc ? Oui, j'ai plusieurs trucs, dont un truc qui m'a fait assez rire. Tu étais avec un de tes amis en Angleterre et tu décides d'aller manger un hamburger dans un fast-food.
Cependant, c'était pendant un peu la psychose anglaise. Ouais, était arrivé avec le masque d'alien en faisant wouh! Scream, c'était. Et au bout de 10 minutes, t'as été cerné par la police anglaise. En sortant du drive, il y a trois voitures de police qui m'ont arrêté, pistolet, mettaient clés sur le toit. Ça leur fait peur. Il y a pas du mot. Bref, j'ai enlevé mon masque, ils m'ont reconnu. Et bon, c'était plus une blague, mais c'était dans les journaux quand même le lendemain. Et tu vois, je regarde juste un truc. Il y a les tatouages, c'est quand même un festival là. Ah ouais, il y en a, ouais. Là, il y en a un paquet. Le plus grand, c'est sur la jambe. Ouais, sur moi, ouais. Toute la jambe. Et dans le dos, il paraît qu'il y a des ailes. Ouais. Ah, dis donc. T'arrives à les deviner entre les muscles un peu. Allez, c'est marrant, on dirait pas toi de dos, c'est drôle. Oui, hein, c'est marrant, c'est pas moi du tout. En fait. En fait, je peux vous confirmer, cette photo n'est pas moi du tout. Mais ça fait mal ou pas? Quel endroit fait le plus mal? Là. Ah, parce qu'il y en a aussi? Ouais. Où ça? Dans le crâne? Non, on le voit pas là, derrière la tête. Ouais. Il y a quoi d'écrit? Rien, c'est un signe tribal. Ah ouais, le bras, c'est quoi? Ouais, oh, j'ai plein de trucs. Hein. Oh, beaucoup. Ah oui, il y a même plus de peau, hein, quasiment. Il y a plus de. Il n'y a que de la couleur. Hein. Mmh. Ouais. Il y a écrit Cassius, là, c'est ça? Ouais, mon fils. Ah, d'accord. Bon, alors, et puis, cette poisse. Ouais. Mmh. Tout le monde se rappelle. Nous sommes quasiment à quelques jours du coup d'envoi mondial 2006 en Allemagne. On est tout prêt. On est tout prêt, on y est, ça y est. Bon, on a une équipe de France pour l'instant. Ne regarde pas. Ah, non, regarde pas. Regarde pas, ça va te faire du mal. Oh, c'est horrible, cette image. Cette photo, elle a fait mal à la France entière. Hein. Ouais. Cette photo, quand les gens ont ouvert le journal le lendemain, ils ont tous fait... Oh, tu sais, ce petit truc qui vous fait arrête, du mal dans le dos. C'est horrible. Une fracture, tibia péroné. Bon, enfin, ça nous a fait mal. À nous, mais à mon avis, plus à lui encore. Ouais. On est à Saint-Étienne, c'est le match France-Chine. Mmh. Et là, il y a un type qui arrive. Alors, tout à l'heure, comme dirait Laurent, un attentat. Pour Laurent, non, c'est un attentat. Non. Non, c'est un accident. Non, sérieusement. Il n'a pas fait exprès. Je pense pas. Est-ce qu'on a une très grande douleur? Enfin, c'est une idiote ma question, mais... Parce que quand on voit la photo, on n'imagine pas que ce soit possible, une cassure comme ça, nette. T'as vu? Moi, 18 mois avant, j'ai eu la même blessure. Oui, c'est ça. À l'autre jambe. Ouais, à la gauche. Ouais, j'ai eu les deux, une gauche droite. Et quand t'as vu la photo, dans le journal Moi, j'ai plus... Ça m'a plus fait rire, quoi, en fait. Ouais. C'est marrant, j'aurais pas rigolé tout de suite. Ah, si, si, si. Oh non, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui est plus dur, c'est la douleur ou le fait de se dire, bah ça y est, la Coupe du Monde, c'est encore une fois. Plus la douleur. Bah, moi, je suis très, très costaud mentalement, donc je me suis fait une raison 5 minutes après l'accident. Je savais que j'allais revenir, que ça allait rapide, donc ça fait 3 mois et demi, 3 mois, presque 4 mois. Et je commence déjà à courir, donc c'est. T'as du bol, le pied dans le bon sens. Ouais, mais non, bien. Oh merde, on s'est trompé. Oh bah non. Bon, moi, je t'en prie, je vais faire quand même. T'as regardé. C'est vrai que ça aurait été très cool avec le pied dans le sens. C'est vrai que ça aurait pour courir. J'ai cru d'avoir été maladroit. Mais t'as vécu quoi? Alors, tu t'as vécu ça de ta chambre d'hôpital d'abord pour commencer? T'es rentré vite chez toi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, je suis resté une semaine à Saint-Étienne, à l'hôpital. Ah, je suis rentré chez moi. Déjà, à l'hôpital et en plus à Saint-Étienne. Ouais, t'imagines? Dur. Ouais, après retour à Liverpool. Je vais être ouvert. Pas mal. Bravo. Alors, quand il y a un deuxième problème, quand il y a un problème dans la vie, c'est vrai que t'appelles souvent Giroud, encore maintenant ou pas? Ouais. Entraîneur de la GSC. Ah, il marrant, Giroud. Ouais, souvent on s'appelle. Ouais. C'est quoi? C'est une sorte de deuxième papa, c'est quoi? Ouais, c'est comme ça que. Il t'a le plus aidé dans quoi? Dans le foot, dans la vie, dans l'équilibre entre les deux? Les deux. Mais t'es arrivé à l'âge de 14 ans, c'est ça, la GSA? Ouais, Auxerre, ouais, 14 ans. Au centre de formation? Ouais. Côté cœur, tu es marié depuis un an avec Jude. On dit Jude? Ou Jude? Ouais, Jude. On dit Lady. Oui. Est-ce qu'elle est Lady? Elle est. Elle est aussi Lady. Lady Jude. Le Lord et le Lady. Exactement. Lady. Ça doit bien se la péter dans le manoir. Hein. Ouais. Oh là là. Je suis Lord, tu es Lady. Et alors maintenant, t'es papa? Ouais, deux fois. Deux enfants, quel âge et quel âge? 4 ans et demi et 6 mois, mon fils. Tu te vois comment dans quelques années? Est-ce que tu commences la reconversion ou pas? Parce qu'il y a le Djibril Cissé qui fait de la compile. Ouais. Qui fait de la musique. Ouais. Music and me. Djibril Cissé, vous pouvez applaudir. Mix. De mix, ouais, aussi. C'est en décembre que sort cette compile. Et ça veut dire Monsieur Mix. Monsieur Mix, se prend pour un acteur aussi, dernièrement. Ah oui. Ouais. Donc l'évolution, c'est quoi? C'est peut-être un peu DJ? Non, footballeur d'abord, et on verra plus tard. Est-ce que tu as eu l'impression que l'ascension a été difficile depuis le début ou pas du tout?
bah, c'est parti vite, quoi, surtout. J'ai un bon entourage de gens qui arrivent à me mettre des gifs de temps en temps quand ça va pas. Entre autres Giroud, entre autres ma mère, entre autres mon frère, entre autres ma femme. Si tout le monde te met des beignes en même temps, ça va être sympa. Peut-être comme ça. Je suis bien entouré. En parlant de beignes, parce que je voulais rétablir une chose que les gens ne savent pas, c'est qu'on a entendu dans la presse française que soi-disant tu battais ta femme, ce qui est absolument faux. Tous les jours. Ouais. Et en fait, ce serait une erreur, puisque en Angleterre, quelqu'un aurait donc appelé la police. Et en Angleterre, on ne donne pas le nom de la personne, on donne seulement l'adresse. Et quelqu'un de ton voisinage aurait appelé en disant qu'effectivement, c'était une femme battue. Et les gens ont fait l'amalgame avec toi, puisque c'était le domaine qui entourait le château de Djibril. L'histoire, c'est que où j'habite, il y a un hôtel et moi. Et dans l'hôtel, il y a une boîte de nuit. Donc il y a peut-être eu une bagarre ou... bref. Et on a dit que c'était moi. Donc moi, je sors dehors pour frapper ma femme et je rentre. Je peux pas le faire chez moi. Et soi-disant, on est venu me chercher... un camion de police est venu me chercher. J'ai dormi 2 jours au poste. Ah, quand même, c'était jusque-là. Ouais, clairement. Et ta femme, elle a dû dire non, il a rien fait. Bah oui, mais... C'est un masque de scrim à ce moment-là. Tu fais le con dans les fast-foods aussi avec des masques de scrim. Après, ils viennent t'arrêter. Mais cette histoire-là, ça m'a fait rire, mais ça m'a fait du mal quand même, parce que... C'est choquant, ouais. Ah ouais, ça agace. Ah, et puis c'est quoi? C'est tombé tout seul, ou finalement ils ont compris que c'était une... Après, il y a eu... les journaux ont fait des démentis, et puis ça s'est calmé, mais... C'est des conneries, c'est tout. Parce qu'on n'est jamais venu me chercher chez moi. J'ai jamais dormi au poste, conneries. Eh bien, moi j'ai envie de te donner une espèce de kit ou double. Allez. Une espèce de principe extrêmement simple. Je vais te poser des questions sur le football, sur les rumeurs qui circulent sur le football. Ou tu y réponds, et dans ce cas-là tout va bien, ou tu n'y réponds pas parce que tu préfères ne pas y répondre. Par conséquent, tu devras adopter un élément du look Picard, le look tendance en Picardie. Pas de problème. Entre Sarri Chaumont et Marc Surcer. Faites entrer les fringues, s'il vous plaît. Pour Djibril, voilà. Alors. Écoutez, je pense qu'il y a de la tendance. Il y a de la... je pense qu'il y a du fringue que t'as pas en Angleterre, hein, ça c'est... Je pense que ce que t'as vécu à Liverpool, c'est de la gnognotte à côté de ça. Pardon, j'ai oublié de te dire, il n'y a pas que ça. Il y a les cheveux aussi, si vraiment tu veux pas obligé. Si les fringues ne te conviennent pas, tu peux changer de look en 3 minutes. Ah, les coupes de cheveux encore, ça me dérange pas. Voilà. Djibril, est-ce que tu peux classer ces joueurs, je vais te donner, en fonction de leur taille de... du plus grand au plus petit? Zidane, Makelele, Ribéry et toi. Rappelle que si tu ne réponds pas, tu dois choisir un élément. Si tu réponds, pas de... Bien sûr, tu ne peux pas mentir puisque nous avons les centimètres exacts. On va demander du plus grand au plus petit. Je te laisse quelques secondes de réflexion pour te souvenir de la douche. Du plus grand au plus petit. Je te laisse réfléchir, Djibril. Je comprends que... Je suis un ami, je peux pas répondre à ça. Non, je peux pas, non. Je vais enlever le capteur, enlève le capteur, hein, je t'en prie. Non, mais choisis, il va choisir le truc le plus sobre. Oui, mais enfin, je choisis, hein. Choisis. Et... par-dessus ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, tu peux enlever le t-shirt, c'est pour ça qu'on verra les ailes, mais bon. Il y a le micro, je vais l'enlever. Tu enlèves le micro, tu mets le truc en dessous. Voilà. Voilà. Bon, allez, maintenant à moi. À moi. Et tu sais quoi, tout lui va. C'est ça qui est horrible. C'est incroyable. C'est ça qui est horrible. C'est même ça. Un truc ultra moche, pour l'instant, ça lui va. Moi, tiens, remets ton micro. Marque, on dirait un sac. Bouge pas. Sinon, parmi les joueurs de l'équipe de France, qui a la copine la mieux gaulée des 23? Moi. Moi, du haut de ma femme. Qui jouait? J'ai joué. En demi-finale? Sylvain Wiltord, il m'excusera, c'est mon meilleur pote. D'accord, bah, il a répondu. Qui fume dans l'équipe de France? Qui fume dans l'équipe de France? Fabien Barthez, je me suis pas mouillé, vous l'avez mis en gros tout à l'heure. D'accord. Qui fume des pétards dans l'équipe de France? Il y en a pas.
personne. Et Djibril t'a fait comme ça, je te dis, il n'y en a pas. Personne. Ouais, quand le Djibril, il fait comme ça, ouais, il donne ligne, il donne ligne, ensuite il dit, il n'y en a pas. Moi. Oh, c'est pas bien, faut pas faire ça. Djibril, on joue pour des cheveux et une veste. Tu vois ? Et une veste. Cheveux et veste. Tu vois, c'est la mêmes, dernière oui. question. Ouais, mais ça honnêtement, Djibril, lequel de vous tous joue le moins bien au foot ? Ouais, c'est une bonne question. Les Chibonda, ça compte pas. Oh ! Dans l'équipe de France. Oui, oui, va pas me chercher un mort de 1923. Hein. Oui, des mecs de maintenant, là, les ceux qui ont joué, là, entre Malouda. Ton Rasso, il a pas besoin de ça en ce moment, s'il te plaît. Laissez ton Rasso tranquille. Ouais, alors lui. Franchement. Je te laisse 20 secondes. Bonsoir, comment allez-vous ? Bah bien, je suis les cheveux de Djibril Cissé. Oui, il va me mettre dans 2 minutes. Moi, personnellement, je préférerais arriver à Marseille avec une perruque plutôt que de balancer ses potes. Ah, Zidane, il a arrêté, je m'en fous. Ah non ! Ça compte pas ! Tu m'as dit qu'à jouer dans les 23. Celui qui joue le moins bien, tu peux pas dire Zidane ! Alors, mais il a le droit, il m'excusera. Tu peux pas dire Zidane ! Non, il m'excusera. Et eh ben tu vois, et ben le mec me dit ça, eh ben il m'excusera, eh ben c'est tout. M'excusera. Tu sais le Lord, merde. C'est toi qui la mets. Mauvaise foi, c'est Zizou, toi qui la mets. Il m'excusera, il sait que, il fait, tout le monde sait que je raconte des conneries. Donc voilà. De toute façon, t'as n'importe quoi parce que t'assumes pas parce qu'elle est super la pêche cette veste. Voilà, regarde le look que t'aurais pu avoir de ouf. Voilà. Non, la veste, ça me gêne pas, c'est les cheveux. Là. Pas mal, hein. Toi, ça te gêne de pas avoir de cheveux, lui, ça gêne de... Enfin, c'est l'inverse. Ah. Ouais, ça pète la classe. J'adore, ça pète trop la classe. C'est Djibril Cissé qui est avec nous. En décembre, sort cette compile de Djibril Cissé. Ça lui va. Regarde le truc pourri qu'on lui a donné, tu sais comme ça lui va bien. C'est que sur lui, c'est pas si mal en plus. Oh là 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 là, ça m'agace ça. Bon, Laurent, il doit aller se coucher, il paraît. Mm. Bon, là, j'ai plus le choix, là, c'est bon. Là. J'ai plus aucune chance, là. C'est ça ou tu te mets torse nu ? Bah, je vais y aller. Laurent, on se retrouve au théâtre pour la pièce ? Ouais, venez nous voir. De quelle heure à quelle heure ? Elle est à 8h30 au théâtre Antoine. Très bien. Beaucoup. Et voilà, je pense quel que c'est parti pour la saison. C'est dans le 10e boulevard de Strasbourg. Avec monsieur Frédéric Diffenthal. Avec monsieur Frédéric Diffenthal, avec Macha Meryl, Yves Gasque, Patrick Delage, Marie-Julie Beaupé, Gwendoline Hamon et Claire Magnan. On est 8 sur scène. On le est bien. Théâtre est incroyable. C'est anciennement le théâtre des Menus Plaisirs qui date de 1865. C'est un monument historique. C'est sincèrement un des plus beaux écrins de culture parisien. Bravo. A bientôt, mon Laurent. Va te coucher. Laurent Deutsch est avec nous ce soir. Djibril. Dans quelques minutes, Djibril, ce sera la fin de l'émission. Dans quelques minutes, prépare-toi mentalement aux jongles. Hein, on finira l'émission en jongle, je te montrerai 2-3 trucs, d'accord ? Ça s'appellera la rééducation. Mais bon, pour que tu sois bien prêt avant d'arriver, je vais lui montrer 2-3 trucs, ça va l'étonner à tu la maroise. Tu vas lui péter la jambe, toi, ça ne l'étonnerait pas. En attendant, voici celui, moi j'ai vu tous ses films. Ouais. Enfin, j'ai dû en oublier un ou deux au passage. Hein. Un grand monsieur. Il y en a eu une tripotée, on ne pouvait pas passer à côté de ce monsieur. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Georges Lautner. Bravo. Dans les gens. Comment allez-vous ? Attendez, j'enlève mon chantier. Comment allez-vous, Georges ? Il n'y a pas de piège. Non, il n'y en a pas. Ah, moi, t'es une main. Là, il n'y a pas. Alors, comme vous l'avez remarqué, on est fan de vos films. Georges Lautner, il y avait les Tontons Flingueurs, oh, les Barbouzes, je... le Pacha, le Professionnel avec Belmondo. Ne nous fâchons pas. Le Guignolo. Ça fait une... Mais combien de films en tout Plus de 40. Il y a ce film dont on parlait, le Professionnel, avec Belmondo. Vous avez déjà parlé, non ? Non. Oui. T'as l'impression que c'est une thérapie. Mais je ne vous ai pas répondu. Quand il marche, oui. Il est là, il sort du château. Plutôt que de courir, et il gagne du temps parce que l'autre lui dit qu'est-ce qu'on fait ? On tire pas. Et il marche doucement. Et... Pourquoi vous l'avez fait mourir ? Il y avait deux fins. Ah bon ? La fin du scénario n'était pas celle-là. La fin du scénario, il partait dans l'hélico avec la pute. C'est ça, la dame, oui, c'était une copine. C'est bien, c'était ça. C'était une copine. Mais c'est ça que je voulais comme fin, c'est, moi. Ça, c'est bien, bah, ça. Oui. Mais Belmondo et moi, on n'a pas voulu. Vous ne l'avez jamais tournée, cette fin ? Si. Elle existe ? Mal.
Parce qu'on voulait l'autre. Vous voulez dire que vous avez une faim où il monte dans l'hélicoptère et... Eh bien, on n'a pas voulu, Belmondo et moi, et on a eu raison, puisque vous m'en parlez aujourd'hui. Sinon, vous ne m'en parleriez pas. Ah ouais, mais moi, ça m'a marqué. Ça aurait été une pantalonnade comme le flic ou voyou, comme le guignolo. Ah ben non, sinon, vous aurez demandé le numéro de téléphone de la fille. Vous connaissez pas, lui. Elle s'appelle Desquoir, elle était merveilleuse. C'était vraiment un des plus beaux culs que j'ai vus. Ah d'accord. Non, mais je parle sur un tournage. Mais pourquoi vous vous axez pas sur une autre style, un autre style de film, visiblement. J'ai pas eu le temps. Vous auriez dû faire un bon porno à un moment donné. Un bon X. Ça ne disait rien. Ah bon? Non, et puis j'ai trouvé que... Moi, ce que j'adore, c'est raconter des histoires. Ah, dans les pornos, c'est limité. Dans les pornos, ça sera... et puis c'est toujours la même. Oh, attendez, tu reconnais la fin, c'est toujours pareil. Tu reconnais la fin. Et dans... Oh, oui, non, j'ai fait bon, des films dramatiques, j'ai fait... Ben, le... Ah, ils n'ont jamais de bébé à la fin des pornos. Hein. J'ai fait des films dramatiques, et puis, la Septième Juré, La Route de Salina, des... Mais des, attendez, des trucs comme est-ce ça. Qu'on pourrait... La Maison Assassinée... Ça vous dérangerait pas qu'on refasse des fins alternatives? Ça vous dérangerait pas qu'on fasse des fins différentes? Imaginez, je suis le ministre. Les lunettes. Voilà. Les lunettes de l'époque. Écoutez, je vais décéder. Putain, attendez, je me suis fait peur pendant deux secondes. Je vais décéder de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est ton père. Incroyable. Merde. Et donc, je suis le ministre. Regardez dans l'écran, c'est les différentes fins qu'on pourrait vous proposer. Je suis au téléphone. Écran. Qu'est-ce que c'est là? Eh ben, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je stoppe ou je stoppe pas? Faites-lui un bisou. Allez-y. Faites-lui un bisou. Ouais, bonne idée, ouais. Elle est pas mal celle-là, elle est pas mal. Attendez, on entend une autre. Attendez, on est lancé, on entend une autre. Elle me plaît pas celle-là. Elle me plaît pas. Non. Il va pas partir avec un mec. Je sens qu'il va m'emmerder, Georges. Alors bon, on en fait une autre. Georges Beaumont. Qu'est-ce que c'est là? Mais dites-moi qu'est-ce que c'est? Je stoppe ou je stoppe pas? Faites-lui croire qu'il a un coup de fil et arrêtez-le. Ah oui, là c'est bien, là. Ah là c'est bien. Ah là c'est, ah, là, bien, c'est là. Bien. Ah là c'est bien. Là c'est bien. Non plus. Il aime rien. Il aime rien. Il aime rien. Il t'est tu, hein. Oh là 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 là. Ça non plus. Je peux répondre. Avec vous, faut qu'il meure. Belmondo était beaucoup plus costaud que le mec. Oui, c'est vrai. Bon, il aurait foutu en l'air. Et à cette époque-là, le téléphone portable n'existait pas. Mais je sais. Alors. Alors que vous voulez que je vous dise un truc? Oui. L'hélicoptère, c'est le même. C'est le vrai. C'est le vrai qui a tourné votre film. Il vit encore. Oui, oui. C'est le vrai de vrai. Je vous jure que c'est vrai. Il a été repeint, mais c'est le vrai hélicoptère du film. Alors là, chapeau. Ouais. Vous voyez, hein, comme quoi, dans la déconne, on a essayé de faire et attention. C'est Jean-Paul Belmondo. Vous ne l'avez pas reconnu, voilà. Mais c'est voilà. Sinon, on parlait des gens avec qui vous avez travaillé. Bernard Blier, Lino Ventura, Jean Gabin, Louis de Funès, Mireille Darc, Miu Miu, Jean Gabin, La Rencontre. Ah, là, j'ai eu la trouille. Il paraît qu'il faisait peur. Bah, à moi, oui. Il a impressionné beaucoup, c'est vrai? Ouais, écoutez, je raconte une petite anecdote. Un jour, je suis arrivé au studio, c'était dans la première semaine. Je vais à la régie, on me dit, oh, le vieux, il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Il vous attend dans sa loge. Alors je pars, dans la cour, je croise son habilleuse, qui me fait, bah vous, ça va être votre fête. Hein. Ben, je vous jure que c'est vrai. Oh, le truc qui met en condition. Je vous jure que, alors quand je suis rentré dans sa loge, j'étais préparé. Et puis, il ne comprenait pas notre manière de tourner. Lui, il avait l'habitude des longs plans séquences. Moi, j'avais l'habitude de faire des gros plans pour mettre les dialogues en valeur. C'est pour ça que je travaillais avec Audiard. Et à la fin de la semaine, on lui a montré les séquences montées. Et après, on est devenus copains. Il a compris ce qu'on voulait. Parce qu'on était toute une bande de jeunes. Hein. Lino Ventura, comment vous pourriez le décrire? C'était un type formidable. C'était un... Moi, quand j'ai démarré, j'avais une admiration totale pour ce mec. Ça représentait la force, ça représentait le protecteur. Ça. Un metteur en scène est toujours amoureux de ses vedettes, homme ou femme, et je ne suis pas bisexuel. Ah oui? Non. Et on a envie de les mettre en valeur, on avait envie qu'ils sentent qu'ils vous aiment et qu'ils aient confiance en vous, et c'est comme ça qu'on se met bien avec eux. Ah oui, c'est carré. Et puis alors, il y a la scène des tontons flingueurs, je ne sais pas si tout le monde se souvient, pour ceux qui l'ont vu, c'est assez culte. La cuisine.
Alors, il y a une scène clé dans le film où ils sont autour dans la cuisine, oui. Où tout le monde dit qu'ils étaient complètement bourrés pendant la séquence, vrai ou faux? Faux. On a tourné en 3 jours. Une cuite de 3 jours, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible. Même Francis Blanche? Non. Il y a peut-être une fois, on a fait une blague à Lefebvre en lui mettant à la place de l'eau une vieille eau de vie. Mais ça a été un seul verre, c'était tout. Quand vous dites que tous les gens que vous avez connus, tous ceux qui sont sur cette scène ne sont plus là, ça vous y pensez de temps en temps sans arrêt. Ouais. Quand vous avez connu cette bande, vous avez connu ces gens, vous dites maintenant ils ont disparu un par un, ils sont plus là. Et je me dis, je suis le dernier. Ah oui, forcément. Bah, ça me donne pas confiance en moi. Ça, c'est ce qui m'attend, alors les cons ça ose tout. Alors, monsieur Chanoina, les cons ça ose tout, pour ceux qui vont prendre la BD, il y a quoi dedans? C'est une farce, c'est l'histoire d'une famille qui s'appelle les Crapone, issue d'une famille mafieuse de Chicago. Et ils font que des conneries, ils essayent de piquer le coffre-fort des dames pipi, ils essayent d'attaquer le 30 pièces jaune. Ils se font passer par un célèbre judoka et une femme de président dont je tairai le nom. Oui. J'ai pas envie d'être sur écoute demain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils enlèvent un présentateur de télé. Un type fort sympathique, c'est pas vous. Ah bon? Non. Le truc sympa, un type fort sympathique, c'est pas vous. Non mais justement... Il est fort sympathique le nôtre. Non mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est que c'est un sale con et on vous a pas pris vous comme modèle, on en a pris d'autres. Ah d'accord. Voilà. Est-ce que tous les gens se reconnaissent? La femme du président, oui, je pense que l'animateur télé, est-ce qu'il va se reconnaître? Bon, bah, je pense. Magneto Tonio. Ah bah c'est bon, je crois que j'ai compris qui c'est. D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est lui que vous avez pris, hein. Mais y a pas que lui, hein. C'est un mix. Ouais. Ils ont tous changé de chaîne les uns après les autres. Ouais. Donc, on voulait dire, il y a aussi lui, on avait pris lui. Hein, voilà. D'accord, je comprends. Hein. Eh bien, en attendant, moi, ça m'a fait... Vous savez quoi, sérieux? Eh bien, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens, que j'ai pas pu rencontrer et que j'aurais rêvé de rencontrer. Ouais, j'avais la trouille. Et quelque part, en passant par vous, j'ai l'impression de les rencontrer. Vous aviez la trouille de quoi devenir? Je me suis dit, je vais le retrouver encore avec une perruque, je ne m'étais pas trompé. Ah oui. Parce que je l'ai vu la semaine dernière. Ouais. Je me demandais laquelle il avait gardé pour lui. Pour moi, je garde mes... Non, mais... On l'appelle Tata dans le métier. Tous ces gens dont vous parlez, bon, je ne vais pas dire que ça me bouleverse, mais si on continue à parler, ça me bouleverserait. Je les ai adorés. Eh bien, je peux comprendre. Et je vous dis, j'ai vu hier Jean-Paul, j'ai vu Jean-Paul avec sa petite fille qui a 3 ans et qui est belle comme il n'est pas possible. Ce métier n'est pas fait que de vacherie. C'est pas pour vous que je dis ça. Non, il est fait aussi de tendresse. Mais vous l'embrasserez pas. Et moi, ça a été ma force, c'était l'ironie, se moquer de soi-même et être très tendre. Eh bien, il s'appelle Georges Lautner. Il est la BD Les cons, ça ose tout. Monsieur Lautner. Et si vous voulez en savoir plus, on aura tout vu. De Belmondo à Delon, en passant par Blié, Jean Lefebvre, il les a tous connus, monsieur Georges Lautner. Vous l'enlèvez. Merci beaucoup, je vous en prie. Attention, elle est par là. Oh, l'émission, elle est finie. Avant de se dire au revoir, je rappelle quand même que ce soir, il y avait Georges Lautner qui était avec nous. Bonne chance, les filles. Finale, qui était en train de participer à la Starac. Rossi n'est pas là. Lionel Richie. Il y avait Laurent Dutch qui était avec nous, il y avait Macha Merrill et Mr. Jibril Cissé. Jean, hop, allez, vas-y, allez, petite démo, allez, c'est bien, nickel, très bien.